J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Et bien bah, c'est reparti, Atom, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Oh, au moins une semaine, c'était beaucoup trop ça long faisait... déjà. Au moins monde. une semaine. Bon du coup vous l'avez vu, aujourd'hui on reçoit Eric, qu'on connaît mieux sous le nom de Atom, qu'on reçoit très souvent ici. Mais euh, c'est reparti pour une heure et demie de, de masterclass aujourd'hui. Euh, alors du coup j'ai déjà... vu qu'il y a tout enfin fan club déjà du côté YouTube, donc on va leur faire des bisous. Salut, salut alors, les gars Bonjour à Monaï, JXL, Yann, Air Master Games, Amza, MMD Mobile, Pablo, Romain, Frédéric, Alex. Euh, pour ceux qui sont du côté YouTube, il y a Alex qui va vous partager le lien pour nous rejoindre du côté BNS. Parce que le côté BNS, il euh, y a nos petits habitués qui sont dessus. Les discussions sont cool et ça nous permet d'aller voir vos portfolios si vous êtes sur BNS. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre du côté BNS. Euh, du coup, bonjour à Delphine. Et n'hésitez euh, pas, si vous avez des questions pendant, pendant le live, on est là pour ça. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais je crois qu'on est pas mal. Mm -hmm. Voilà, ouais, là, on, a, on a le temps, on a une heure et demie, on va <laughs> pouvoir être on va se poser. J'ai entendu mmh. dire que ton ordinateur n'allait pas planté cette semaine. <laughs> oh non, c'est bon, <laughs> je suis revenue sur Windows 10 tranquillement. On oh, touche du bois. C'est bon, Oui, ouais, carrément. Alors, c'est quoi le programme de la journée Alors, le programme de la journée, euh, si vous voulez bien basculer sur mon écran comme ceci, euh, il <laughs> y a la série il y a pas longtemps Loki qui est sorti sur euh, Disney donc c'est une série Marvel et il y avait un effet plutôt cool, comme je vais vous montrer ici dans les références, de portail euh, qui leur sert à aller de dimension temporelle en dimension temporelle. Donc c'est un effet plutôt cool. On dirait une sorte de, de... Box, une boîte de, de verre, sauf qu'ils y passent dedans et voilà, ils peuvent se déplacer comme ça euh, à travers différents flux temporels. Euh, donc, c'est plutôt cool et j'ai voulu réaliser ça moi aussi sur ma chaîne YouTube avec mes moyens euh, oui. non hollywoodiens. Euh, donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Euh, voici le résultat final de ce que j'ai réalisé du coup euh, avec ce petit effet. Donc, je vais vous expliquer point par point comment j'ai fait tout ça. Euh, donc, le petit portail. Et en fait, dans Loki, il y a des variants. Les variants, ce sont des personnalités comme nous, mais différentes qui ont, euh, je sais pas, la vie a fait des choses différentes. Et là, en fait, l'idée, c'était un variant euh, Colonel Sanders. Et du coup, euh, je suis euh, Colonel Sanders dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce flux temporel. Donc, euh, c'est marrant. En fait, ce, ce concept, je trouve, est très intéressant de montrer. Dans Loki, je sais que dans un flux temporel, il y a un Alligator Loki. Fin... Oh, what the fuck, et c'est très très cool de, de, de se dire ça, donc je me suis dit tiens, un petit euh, colonel Sanders. Euh, donc on <laughs> va faire cool. ça. <laughs> donc je vais expliquer tout ça. On va commencer tout de suite. Donc, déjà, on va regarder les références et on va essayer de se questionner sur comment fonctionne cet effet. Donc, déjà, on peut voir qu'il y a euh, une sorte d'animation qui est d'abord sur la largeur, puis la hauteur euh, de cette boîte qui est plutôt fine. On peut le voir ici c'est une petite épaisseur avec on peut voir aussi des effets de flou et ici des effets des rayures un peu euh, ça dépend non en fait c'est pas tout le temps la même là on peut voir que il pleut du coup la pluie ça bat sur le ah, ouais. espèce de portail donc c'est très intéressant ouais, euh, c'est plutôt un... facile à, un truc à de faire vert, ça quoi. ouais voilà c'est ça un truc de verre avec les, les côtés un petit peu euh, euh, lumineux donc euh, on va passer très rapidement à la partie 3D parce que nous on est sur du genre de compositing avec After Effects euh, mais voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, on va regarder le premier plan de mon shot ici. C'est ce qu'on appelle un establishing shot. C'est un plan d'ensemble, c'est un plan de situation. Et c'est un plan qui nous permet de euh, situer donc une scène, une séquence qu'on va voir. Et euh, c'est très cool pour cheater aussi. On peut tricher euh, avec un establishing shot pour dire Ouais, ben, je suis à Miami, mais en fait, non, je suis au fin fond de Montpellier. Et juste en mettant un petit plan avec un petit titre en bas. Euh, euh, Miami, euh, 1996. On peut situer un temps et une heure, enfin euh, une heure et un lieu. Et après, en fait, être chez nous. Euh. Donc, c'est plutôt cool. Et comment j'ai fait ça euh, Si on regarde le plan, voilà, on va juste regarder le plan de base, le rendu de base. Voilà. C'est tout simplement ça, sans compositing ni rien, hein, c'est ça. Alors, comment j'ai fait ça Alors, j'ai utilisé très brièvement. On va aller chercher ton drone euh, au fin fond de la Creuse, là, tu vois. Non, là, sur ce coup-ci, non, parce que je voulais vraiment un, un paysage euh, où c'est compliqué de trouver un, un truc comme ça, une vallée comme ça à Montpellier, c'est compliqué. Euh, wow. Là, il faudrait aller en Nouvelle-Zélande, parce que là, c'est grosse étendue il ouais. n'y a rien, pas de route, rien du tout. C'est quand même dur. Et puis avec euh... La lumière et tout. Euh... Ouais, la Golden Hour qui est une des heures les plus compliquées à tourner euh, parce que ça ne dure que 30 minutes ou un truc comme ça. <laughs> ça dure 3 secondes et demie. Fini. Ouais, voilà, c'est ça. Et, et c'est ça, tu vois, je suis allé en Suède en vacances il y a un mois. Et la Golden Hour, elle dure genre trois heures. Et ça, c'est trop cool. Ah putain, euh, c'est trop bien. Ouais. Ouais, okay. Parce que le, le soleil se couche presque jamais en Suède. Donc, euh, okay. c'est trop cool. Euh, du coup, voilà, euh, on a ça. Et euh, pour ça, j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle World Creator. Et euh, ça, c'est un des terrains que j'ai utilisé dans, euh, dans le petit rendu 3D. c'est un logiciel très, très cool. Je, je vais juste l'aborder rapidement pour que vous le voyez. Mais je peux rajouter des filtres. Euh, salut Pierre monique qui vient d'arriver. Euh, on peut rajouter des swirls, donc c'est le swirl strength, on peut faire tourner nos terrains euh, vraiment en temps réel, ça fonctionne avec la technologie GPU, donc c'est la carte graphique et vous pouvez voir que je peux manipuler mon terrain après dans ah sa ouais. hauteur ici. Attends, c'est un plugin ou c'est un logiciel qui existe tout seul C'est un logiciel à part entière, oui. Oh, c'est cool c'est plutôt cool ouais. et après ce qu'on va faire c'est qu'on va générer des maps de display si on en avait déjà parlé sur le stream de la semaine dernière c'est une ouais. map en, en noir et blanc qui va nous permettre de déformer une géométrie ou une image euh, vous irez regarder le stream qu'on avait fait la semaine dernière ça permet même de déformer une vidéo donc c'est très cool donc j'ai exporté ça si vous avez des questions encore une fois n'hésitez surtout pas allez-y on est là pour répondre aux questions euh, donc je peux exporter ça après vers mon logiciel de 3D qui se trouve être Cinema 4D et euh, voilà j'ai pu mettre mes plans un peu comme je voulais, créer mon image en fait. Donc, ça, c'est plein de plans comme ça, tac, 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 avec une caméra que j'ai animée en 3D. Comme ceci. Le logiciel est-il payant Ce logiciel est payant en effet. Euh... Est-ce qu'il y a une petit... un petit essai gratuit pour Je crois qu'il y, a... ouais, qu y a un truc gratuit pendant une période de temps. Ouais. Je crois que c'est ça le, le délire. Ouais, tester ça, ouais, carrément. Et donc là, pour des petites infos sur cette scène 3D, je voulais vraiment donner cet effet de gigantisme à la scène. Alors, pour ça, en fait, euh, quand vous regardez un film avec, euh, par exemple, Godzilla ou des gros monstres, tous leurs mouvements sont extrêmement lents. Ça fait des. Quand on est à l'échelle humaine, ouais, voilà. Avec des gros bisous pour <laughs> appuyer le truc. Ben Jacquet qui dit belle moustache. Merci beaucoup, Ben. Euh, ça fait grave plaisir. Ben qui est un très bon designer avec qui j'ai bossé plein de fois. Salut à toi, Ben. Euh... On lui revoit des bisous. On lui revoit des bisous et euh, du coup euh, de base euh, parce que j'ai fini, ce, fini cette séquence ce matin hein, euh, 48 heures pour faire ça euh, de base le plan était de 70 frames et 70 frames ça fait une animation très rapide et le problème c'est que en le regardant je tiltais je me disais mais quand même une caméra qui bouge aussi vite c'est quand même fou euh, il faudrait que ça soit vraiment un truc qui va super rapidement ou quoi et je me suis dit on va doubler presque et mettre 120 et tout de suite d'avoir quelque chose de plus lent ça donne vraiment un effet de grandeur. Et jouer on... aussi sur les plans, sur la profondeur, et tout à mettre des échelles. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, j'ai des plans euh, très éloignés et j'ai un plan aussi tout devant. C'est un petit modèle 3D que j'ai téléchargé d'un scan d'une vraie falaise et en gros, je l'ai mis tout devant et le fait qu'il se déplace plutôt vite au premier plan et que l'arrière-plan Tourne, mais d'une manière plutôt lente comparée à, au mouvement du premier plan. Ça permet de donner aussi une échelle de grandeur. Ça, ça permet de se dire, ok, donc là on vient de dépasser une falaise à cette vitesse. C'est quand même rapide. Donc euh, là, on, ça nous permet d'avoir une échelle, encore une fois, de gigantisme. Euh, donc voilà, c'est plutôt cool. Euh, ensuite, j'ai fait le rendu de ça. Donc après, bon, je passe les détails que j'ai rajouté un éclairage, des, des plantes et tout. ça, ça Mais après, je vais faire mon compositing. Donc là, on est dans la première phase où j'ai importé mon rendu 3D. Donc le voici, il est brut. Et après, on va devoir lui donner euh, des couleurs, des choses pour qu'il soit un peu plus réaliste. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai une passe de post-production. On appelle ça une passe de post-production. C'est une sorte de glow. Vous pouvez le voir. C'est juste l'espèce de, de glow, de haze ambiante. Il peut y avoir parfois sur des capteurs de caméra. Donc là, hop, ça me permet d'avoir ça. Euh, ensuite... Donc là, on ne regarde que le shot de base. Voilà. J'ai exporté grâce à CineWare, parce que After Effects est très, très bien connecté avec euh, Cinema 4D. Et CineWare est un plugin qui va nous permettre de récupérer des informations de caméra, euh, de lumière, d'objets nuls. Euh, donc là, vous voyez que j'ai exporté ma caméra, ainsi que des lumières qui sont placées à des endroits stratégiques. Je les ai placées dans ma scène. On peut voir mes lumières. Alors aussi, je vais vous montrer un petit truc après intéressant. Et Du mais... coup, dans ta scène 3D, il n'y a pas le ciel du tout. Il euh, n'y a pas le ciel après... du tout. Alors, il y, y a juste un panorama pour ce shot-là. Tu verras après, mais pour ce shot-là, c'est un panorama d'un ciel qui fait 360 degrés que j'ai mis en fond. Et du coup, je ah, peux okay. bouger ma caméra partout. Voilà, c'est un vrai ciel, un panorama. Et euh, le truc euh, d'intéressant avec ces lumières, c'est que je les place à des endroits stratégiques en me disant, OK, là, il y aura un peu de, de, de brume dans la perspective atmosphérique plus on le s'éloigne plus il y a cette espèce d'atmosphère donc là j'ai mis une lumière là une lumière là une lumière là et une lumière là pourquoi je vais vous expliquer ça juste après mais en gros je voulais vous expliquer très rapidement ça pourquoi il y a une sorte de gros plan au-dessus de ma scène Tout simplement pour faire ce qu'on a l'effet nuage euh, si on regarde bien ici dans ma scène on peut voir que mon terrain est éclairé mais il y a parfois des zones d'ombre ici qui miment un peu l'effet de nuage. Vous voyez si ouais. toute cette zone là est dans l'ombre, là aussi. Et sans ça, c'est ultra moche. Et le fait de juste rajouter un plan par-dessus, très très grand, avec ce qu'on qu appelle un noise, un bruit, j'avais déjà abordé encore une fois dans un live de euh, Adobe euh, sur la chaîne YouTube, là où vous êtes, euh, l'effet fractal noise qui nous permet de faire. Un milliard de trucs. Eh bien, on a un exemple concret. Ça nous permet aussi de faire des nuages. Donc là, on le voit pas trop. Euh... On le voit pas trop, malheureusement, parce que c'est une texture spéciale. Mais en gros, c'est un bruit. C'est tout simplement un bruit fractal que j'ai mis dans l'opacité, ce qui va nous dessiner en okay. fait les nuages. Et, euh, et je peux les déplacer. Je peux faire ce que je veux. Et en fait, j'ai déplacé le noise pour que tu vois, dans ma tête, dans ma tête, euh, Pauline, l'action se passe sur cette vallée ici. Tu vois. Pour ça, tes ouais. lumières, tu les mets. J'ai vu que tu les avais mises dans la vallée. Pourquoi elles ne sont pas au-dessus des nuages comme euh, pour simuler alors, le soleil Alors, le sol. Alors, tu parles de toutes les lumières que j'ai mis un peu aux quatre coins Oui, c'est ça. Alors, ces lumières qui sont aux quatre coins, qui sont exactement dans ma scène ici. Après que j'ai exporté aussi ma caméra 3D. Donc là, on peut voir qu'elles bougent en fonction de ma caméra 3D. En fait, je les ai mis là exprès pour avoir juste leur position. Elles okay. ne servent à rien. Elles ne servent pas à éclairer dans la scène, en fait. Euh, elles servent juste à avoir l'information de position. Comme ça, après, tu vois ce que je rajoute, là Des espèces. D'accord, c'est pour mettre les Là, clignons. je vais enlever ça. Voilà. C'est juste pour mettre un effet de ah, perspective joué. atmosphérique. Ouais. Eh, merci. Et en fait, comment j'ai fait ça euh, C'est tout simplement un masque. C'est un layer dans After Effects, un solide, comme on aime à les appeler. Voilà, c'est un solide tout simplement euh, carré que j'ai mis d'une lumière un peu qui coïncidait avec ma scène. Donc, un peu euh, orange, euh, marron, pâle. Euh, j'ai dessiné un masque et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, comme on l'a vu la semaine dernière, ce layer en mode Luma, luminance du coup, Luma Matte, d'une passe de z-depth que j'ai sortie de mon rendu 3D. Donc ça fait un rebond avec ce qu'on avait vu la semaine dernière sur le stream et là on peut voir que ça me permet d'avoir la profondeur de mon image via ma caméra. Ça veut dire que ma caméra va bouger et dans mon logiciel de 3D, ça va envoyer plein de rayons dans la scène comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, à chaque fois que le rayon va toucher une géométrie 3D, il va revenir et il va donner une, un, indi, un indicateur de couleur. Donc tout ce qui a au fond sera blanc, tout ce qui est au premier plan sera noir. Et en fonction de la distance du rayon, il y aura une valeur de dégradé. Donc il va partir euh, tout ça. Le live va durer combien de temps À peu près une heure et demie. C'est pas à peu près, c'est il va durer une heure et demie. Est ok. Ça. Il y a Joël qui nous euh... dit c'est un gobo géant. Il parle du ciel, je pense. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un gobo géant. Un gobo, c'est ça. C'est euh... Euh, imaginons j'ai une source de lumière euh, comme une, euh, comment on appelle ça Un bol beauté Un bol beauté je crois que c'est ça c'est un, un petit truc en plastique avec un trou au milieu et la lumière est concentrée là-dedans et si imaginons je, imaginez que ça c'est un, un rond en papier et que je dessine, je sais pas moi des petites tâches, j'enlève je, des trous et tout, je le mets sur euh, le petit endroit du gobo, la lumière va rentrer dedans et va faire office de projecteur et ça va projeter ces espèces de euh, de trucs de nuages, euh, en gros c'est ça. En effet, euh, ouais. c'est un gobo. Bah, c'est comme toutes les photos où il y a les, les traces de volets ouais. sur les visages et tout, mais à taille euh, paysage exactement. Géant, quoi Exactement. C'est comme on avait parlé de Litnim, le photographe tout à l'heure, euh, la dernière fois euh, en privé, poli euh, qui utilise sa technique. C'est tout simplement un gobo. On met un truc devant et ça dessine. Donc c'est ouais. exactement ça. Et en gros, donc j'ai mis euh, ça en luma, donc ce layer de brume va apparaître qu'aux endroits lumineux. Et l'avantage, c'est qu'avec ma ZDEV, je vais pouvoir regarder si je veux la voir plus loin ou moins loin. Grâce à la ZDEV, je peux définir l'endroit où je veux qu'il y ait ma lumière. Ça, c'est très bien. D'accord. Cool. Et tout ça, en fait, c'est des trucs que tu as préparés dans ton logiciel de 3D, mais que Exactement. tu peux euh, implémenter dans euh, After Effects. After Effects, ça s'appelle des passes, des AOV. Ce sont des… En fait, mon image finale que tu as vue juste ici, voilà l'image finale, elle est composée de plusieurs AOV. Les AOV, c'est des passes, il y a la réflexion directe, réflexion indirecte, réfraction... En fait, tout est découpé. Comme si vraiment, tu vois, est-ce que tu connais euh, ce making-of de Disney où on voyait euh, une image du dessus C'est comme ça qu'ils faisaient les animations avant euh, en parallaxe. Ils mettaient une caméra tout en haut voilà, avec toutes les successions de layers et quand ils filmaient du dessus, ça fait une seule et même image. C'est exactement le même principe. Les AOV et les passes, c'est ça. C'est plusieurs images qui en composent une et donc, ça, c'est la OV de la ZDEP, de la profondeur. Et ça okay. nous permet de, ensuite faire des réglages différents, euh, voilà, d'isoler certains éléments, tout ça, tout ça. Donc, une fois que j'ai mon layer qui est masqué aux endroits où je voulais de la luminosité, donc là, on peut voir si je prends le masque, hop, j'ai de la fumée ici et tout. On peut voir que ma fumée, mon, mon fog, brume ambiante, n'est pas réellement qu'un masque droit. On peut voir qu'il y a des formes un petit peu aléatoires, ça fait quand même un peu nuageux. Donc comment j'ai fait ça, j'ai rajouté un effet qui s'appelle Roughen Edges. Je crois qu'en anglais, c'est contour... Euh... Durcir les contours. Euh, ouais, euh, un truc comme ça. Trop, euh... Déformation euh, des euh, contours, un truc fait. comme ça. Et en gros, ça fait, voilà, cet effet de déformation euh, sur les côtés. Et je peux choisir le scale pour avoir plus ou moins de nuages épais. Et ce qui est cool, c'est que je peux faire un offset. Ça veut dire qu'on peut faire bouger les nuages si j'étais rentré dans les détails et que je n'étais pas fainéant. Et que je pas dormi aussi parce que j'ai mis 48 heures, mmh. j'aurais pu m'amuser aussi à rentrer dans le détail et faire comme si les nuages okay. glissaient un petit peu comme ça. Donc, Donc ça, c'est Tu peux cool. rajouter de l'animation euh, puis les nuages fassent prou, 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 comme ça. Exactement, c'est ça. Alors, Tom okay. qui nous dit Mais alors, à quoi servent les quatre lives dont tu as parlé À garder les infos de position. Exactement, Tom, ça me sert juste d'information de, de, de position pour que quand je place ma, ma brume, elle soit exactement là où je le voulais dans mon logiciel 3D et pas que je fasse ça à l'œil. C'est juste un raccourci de, de position de temps. Ah, euh, on nous dit brut. que, ah ben que c'est voilà. les contours bruts. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup les gars. C'est contours bruts. Euh, donc contours bruts va ben, me permettre d'avoir ça. Et donc maintenant si on regarde, donc là ça c'est euh, pe ma petite image donc de base. Et ensuite quand je réactive mes calques de haze comme je les appelle et comme ça s'appelle en fait haze, puis haze 2 et haze 3. et plus on va vers le fond, plus notre Ace va être plus important. Donc là, vous voyez que mon opacité est à 60. J'aurais pu même le mettre à 100%, mais j'ai pas voulu trop abuser. Et euh, là aussi, et en fait, plus c'est proche, moins le, la perspective atmosphérique est puissante, plus on recule, plus c'est puissant. Donc gérer votre opacité comme ceci. Romain qui nous dit, est-ce que tu pourrais faire un tuto pour faire un plan d'un paysage comme ça en 3D Pourquoi pas, mon ami. Pourquoi pas euh, Ok, ok, merci bien. Bye. Yeah. Euh, du coup, on a fait de 3 c'est complètement mmh. ouf. Ça veut dire que dans plein de films, parfois on pense que c'est des plans de drones, mais mmh. c'est pas vrai. Ah oui, ouais, c'est très très rarement des plans de drones, à part sur des plans de vie, quoi. Ouais, mais en général, quand c'est des environnements, c'est fake. C'est ouais. archi fake. Ouais, ouais, ça. Ils sont chauds. Fou. Et, euh, et pour info aussi, je vais te montrer, j'avais fait une petite vidéo. Hop, sur um, Loki. J'ai sorti une vidéo hier qui parle des effets visuels de Loki. Et dedans, il y a des environnements que je voulais te montrer. Voilà. C'est un peu sur ça que je me suis inspiré de ma vidéo. Et en gros, il y a des environnements. Voilà. Tu vois, par exemple, cette ville. Hop. En fait, tout ouais. est en 3D. On appelle ça un set extension. Et en gros, il faut que je mette pause au, bien, au bon moment. Hop, aïe aïe aïe. On l'a vu, On l'a vu passer. Voilà. Tu vois qu'en fait, c'est tout simplement ah ouais. un gros studio de tournage. Ah, Avec marrant. des écrans bleus, ouais c'est marrant. Et, et ils ont essayé de mettre quelques petits trucs en métal en mode ouais, on est gentil. Mais ils ont tout effacé parce que, euh, petite anecdote, les équipes des effets visuels ont dit on a tout enlevé parce qu'il y avait trop d'ombre des fonds bleus sur le sol, donc c'était un peu trop compliqué à gérer. Donc ils ah, ont ouais, gardé okay. que les acteurs et cette petite zone intéressante où il y a des flaques, comme ça on a le reflet réaliste euh, de, euh, des acteurs. Mais là après, hop, ouais, le on fait sol, c'est le... le bon, mais sinon... Euh... OK. C'est ça. Donc euh, là, on, ouf, on va hein pouvoir revoir un truc. Ouais. Tout est en 3D, tu vois. Et, et en fait, j'ai voulu garder cette, cette, cette optique-là de on s'en fout de ce qu'il y a derrière. On va tout rattraper en, en post-production. Et vous allez voir qu'après, j'ai littéralement réfléchi comme ça et vous allez énormément rigoler. Donc euh, là, j'ai fait mes AIDS. On voit le, les réactions de YouTubeurs là. Ah ouais, là, en mode oh, wow. c'était fou. Cliquez <laughs> sur cette vidéo. Wow. Wow, vous ne croirez pas à vos yeux bisous. Ouais, non, là, ça va être fou! <laughs> euh, et du coup, ça, c'est mon plan de base. <laughs> oh, tu peux te moquer, vas-y. Euh, nous, les YouTubeurs, <laughs> on est moquables. On est euh, Du coup, euh, là, j'ai fait après une color correction. Donc, pour ça, j'ai. Voilà, ça donne un effet un peu plus réaliste. J'ai utilisé un LUT euh, Kodak. Je crois que c'était Kodak. Kodak, Fujifilm, un truc comme ça. Pour avoir cet aspect un petit peu délavé, on peut le voir ici. Ça fait. Voilà, ça un peu bleach les colors, un peu moins Donc saturé, les... moins. Les LUTs, pour la traduction, c'est les filtres Instagram fancy pour les exactement, vidéos. Exactement, exactement. C'est pour clair. les fainéants. Et ouais. en fait, il existe deux types de LUT. Il y a les LUT de correction, ça veut dire que parfois on tourne en log. Et après, c'est fou, c'est fou, les vidéos rebondissent. On, le... on parle dans le charabia pointu là. Ouais, mais là je... là, je vais vous expliquer un petit peu. Là, en fait, dans ma vidéo, je l'explique un petit peu ce que c'est le LUT. Alors, ouais, ok, okay blablabla. Très bien, très bien. Alors, le LUT, en fait, c'est avoir une image qui est totalement délavée pour ensuite la reconstruire et qu'elle ait tous les contrastes. Ah voilà, vous voyez ça Voilà, ça c'est une image en log. Ça, c'est une image complètement ouais. en log. Et ensuite, on a une LUT de conversion qui va nous passer d'un... Espace colorimétrique log vers REC 709 où on va récupérer tous nos contrastes ici. Tac. Et en fait, l'avantage de tourner en log, c'est qu'on va pouvoir garder une neutralité dans notre image sans trop avoir déjà des pré-contrastes, des pré-saturations. Quand on tourne, euh, il faut qu'on reste au plus possible proche de la réalité sans trop influer dans les réglages. Et ça, le log, ça nous permet de vraiment avoir une flexibilité énorme après en post-production. Euh, donc c'est très cool et en gros c'est pareil euh, pour nos vidéos et tout ça pour les films et ensuite il y a la deuxième euh, fonctionnalité des LUTs c'est euh, les LUTs créatives et c'est ce que tu as dit c'est les filtres Instagram euh, beauty you know euh, voilà euh, pour euh, donc la réalisation vidéo et là j'ai utilisé un truc qui voilà donne cet aspect un petit peu film lookup table c'est exactement ça c'est LUT lookup table lookup table et après, j'ai utilisé ce qu'on appelle euh, Magic Bullet Looks, qui est un plugin pour euh, After Effects. Et le truc, c'est que, petite anecdote, avant ce projet, je ne l'avais pas utilisé depuis genre 6 ans. Et euh, je me suis dit quand même, il y avait moyen de faire des trucs cool avec ça. Et c'est vrai que c'est cool parce que là, vous voyez que je le rajoute. Merci, After, de auto On peut voir que quand je l'ajoute, il y a plein de trucs qui se rajoutent. Et je vais vous montrer exactement ce que j'ai rajouté pour donner cet effet un, un peu filmique. Euh, donc ça va s'ouvrir. Magic Bullet est un plugin par Red Giant et euh, en gros ça va nous permettre d'avoir donc des petits trucs comme par exemple euh, de l'aberration chromatique. Donc ça va nous permettre d'avoir ces espèces d'aberrations sur les côtés de notre image. On peut le voir ici. Une, une, ah une petite ouais, caméra, est... voilà, ouais. va, va donner cet aspect un peu couche RGB qui se sépare à cause bombée de l'objectif. Et en gros, on essaye de rendre moins parfait notre image qui est trop parfaite. Donc, l'aberration chromatique fait partie de ce genre de détails. Et même si c'est très léger, quand on dézoome, ça ne se voit pas énormément. Mais l'œil inconsciemment ouais, se le dit... C'est on sent, ouais. ouais. C'est ça, ça c'est organique, c'est naturel. Euh, après, j'ai rajouté pareil, un élément organique... Et... Réalise, c'est le vignotage de l'objectif. Donc, ça, c'est connu aussi. Les photographes connaissent. Mais ce qui est ça, c'est que du coup, filmer en log et après utiliser des lotes par-dessus, c'est ça qui permet d'avoir un rendu hyper cinématographique au lieu d'avoir juste un aspect reportage. Ah, alors, ouais, c'est ça. Plat, quoi. Et, et ça sert euh, à avoir un aspect cinéma très rapidement, surtout ouais. et quand on ne sait pas trop faire de colorimétrie, qu'on est fainéant ou qu'on n'a pas le temps. Moi, c'est exactement les trois combinés. Je suis un mashup. De bah ces ouais, sortir son log tout gris c'est hyper dur euh... ouais c'est après il faut rentrer dans des dans les euh, oui. qu'on appelle ça euh, tu sais les, les histogrammes et tout savoir les bonnes valeurs la skin tone il euh, ya une certaine fréquence pour les skin tones c'est voilà il faut réfléchir moi j'aime pas réfléchir euh, et après euh, je suis allé rajouter un edge softness et pareil ça rajoute une sorte de vignettage mais flouté pour euh, avoir ça et après j'ai un autre truc qui s'appelle téléciné net et ça je ne sais pas, ça rajoute une sorte de punch, de contraste un peu spécial. Ils appellent ça téléciné. Il y a marqué ciné. Moi, je l'active. Donc, voilà, c'est cool. Et ensuite, je fais activer. Et euh, donc, ça donne cet aspect-là plutôt cool. Il y a un truc que vous avez vu dans ma, dans ma prévisualisation looks. Vous ne voyez pas mon image en entière. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai été un gros, gros fainéant. Non, pas fainéant. Qu'est-ce que je raconte non, je n'avais pas le temps. C'est de l'optimisation. Tu vois, oui, c'est de l'optimisation ouais. de, de temps parce que euh, j'avais 48 heures pour le faire, même pas une journée et demie. Et j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Scale Up. Et ça va utiliser l'intelligence artificielle. C'est quoi ton budget plugin tous les mois Oh, je ne compte pas. Euh, <laughs> tu sais que, petite anecdote, j'ai un Stream Deck, donc c'est une sorte de. Console où j'ai plein de raccourcis et j'ai deux dossiers mes plugins After Effects et mes plugins euh, Cinema 4D. Pour te dire à quel point je les ouvre souvent pour en installer ou désinstaller. Genre j'ai les deux boutons, je fais tac tac, je glisse, c'est fait. Euh, mais j'essaie de, voilà, de réduire au minimum. Là tu vois par exemple j'ai que un volet. After Effects n'a pas encore créé le deuxième. Mais je vais rajouter des trucs parce que j'ai remis mon PC à zéro pour pas que ça crache. On en a parlé. Euh, mais voilà j'ai Scale Up euh, qui est très très cool et qui est. Bah, après After Effects est conçu pour permettre aux développeurs de concevoir des plugins qui nous aident. Donc moi je les utilise, j'utilise, moi j'utilise After Effects jusqu'au débordement, voilà des plugins. Euh, et Scale Up c'est très cool, ça utilise l'intelligence artificielle et en gros j'avais pas le temps, tu vois, de rendre en 3920 par 1080, euh non, par 2000, non 3840 par 2160, c'est de la 4K. Et euh, j'avais pas trop le temps même si mon PC est quand même plutôt rapide, j'ai rendu en 1920 par 1080 pour ensuite faire de l'upscale grâce à l'intelligence artificielle et j'ai utilisé donc Scale Up. Qui va me permettre de. Voilà, là, c'est mon image de base et je l'upscale. Et faire de l'upscale, ce n'est pas comme juste prendre son, son image et l'agrandir. Quand on prend l'image et qu'on l'agrandit, on va agrandir en 3840 par 260. Voilà, mais on aura toujours les pixels d'une image en 1920 par 1080. De faire de l'upscale va nous permettre de combler ces pixels pour que ça soit toujours de bonne qualité, même si on agrandit. Donc, c'est ce que j'ai fait et je peux zoomer et je conserve toujours mes détails. Donc, scale-up est très cool. C'est juste un petit truc qu'on rentre. Et voilà. Donc, au moins, j'ai pu avoir une image en 3840 okay. par 2160. Tu voulais faire Alors... de la... mm -hmm. du, du méga 4K de la moitié. Pourquoi tu ne l'as pas fait directement eh ben, Parce que le temps de rendu est plus long en 3D. Ah, ok. Tu vois Parce que je passe d'un... Là, tu vois, pour ce plan-là, j'étais à 1 minute 40 de rendu. En 4K, c'est, je pense, du 3-4 minutes facile, tu vois Donc, okay. oh, voilà. Ça multiplie par 4. Euh, non. Euh, surtout que je dois le rendre en deux jours. C'est ciao. Pas le temps. Ah, ok. Alors. Madame Film qui nous dit le log permet aussi de garder un max de dynamique dans l'image. En effet, euh, je l'ai expliqué d'une manière un petit peu différente, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir euh, plus d'informations dans les hautes et basses lumières. Donc, euh, ça nous permet limite de gagner quelques stops euh, mais, euh, sur notre caméra. Mais du coup, voilà, ça nous permet d'avoir de, des réglages nickels pour la suite. Donc, voilà, et ça c'était euh... le premier. Oui, ouais, dis-nous. Joël demande Scale-up, est-ce que c'est chez AE Script Exactement, c'est chez iScript et il font un truc aussi. Je ne sais pas si je l'ai installé. Hum, non, je ne l'ai pas, mais il y a un truc qui s'appelle Contrast Up aussi, au lieu de au lieu Scale Up, qui nous permet de faire des contrastes, mais d'une manière très cool. Je vous... Ah non, c'est Clear Plus. Voilà, Clear Plus. Et ça, je l'ai. Clear Plus, si vous faites des vlogs à Bali, par exemple, je ne vise personne. Et eh bien, et que vous prenez euh, des euh, images sous l'eau ou quoi que ce soit, il y aura différents réglages avec Clear, comme par exemple The Haze et la Haze. Ah, Aze. ça, il me faut ça, ok. Ah, ça. Et vous voyez que The Haze va automatiquement comprendre là où il y a de la Haze et va okay. essayer de, sans bouger trop les contrastes généraux de récupérer des détails dans les Haze. Euh, protect Aze, Sky. Euh, L'effet voilage un peu sur la pellicule, ouais, c'est ça Voilà, ouais. exactement, ouais. Après, on peut faire Protect Sky, ça va protéger le ciel. On peut dire, euh, voilà, si c'est euh, euh, sous l'eau. Là, il y a marqué For Underwater ah ouais, Footage. Sous l'eau, oui. OK. Ouais. Donc, c'est plutôt cool. Et euh, voilà, on peut gérer plein de trucs. Ouais, voilà, vous voyez que là. <laughs> Je peux récupérer, par exemple, les shadows. Et là, hop, vous voyez comment on dirait un effet dynamique euh, HDRI. Là, on peut ouais. voir que, voilà, c'est même très cool. J'aime bien l'image comme ça. Ouais. Voilà. Donc, là, Clear Plus, c'est les mêmes gars qui font Scale Up. Je crois. Et il y a aussi contraste, euh, un truc comme ça. C'est trop cool, Scale Up. C'est très, très bien. Et surtout, si vous faites de la 3D, et que le client ne demande pas forcément une qualité au top. Ou si c'est pour un projet perso et que vous voulez quand même une qualité 4K, mais que vous n'avez pas le temps de rendre de la 4K, Scale up, bam, c'est bon. Euh, donc, ça, c'était le layer de color correction, comme on peut le constater ci-dessous. Ensuite, je vais rajouter un autre plugin. Je suis Monsieur Plugin qui s'appelle Film Convert. Film Convert, c'est du grain. Ça va, c'est en fait un plugin qui a euh, plein de, de captures de grains de différentes marques d'appareils. C'est ça qui est cool. Ils ont capturé des grains de Red, des grains de, je sais pas moi, Fujifilm, des grains Kodak, des grains un peu anciens. Et ça va permettre de rajouter cet aspect un peu. Regardez là, là quand je zoome, ça fait très 3D. Dès que je rajoute Film Convert, voilà, ça rajoute ce petit grain qu'on a de caméra. Et il faut pas en abuser, sinon il euh, y a les gens Kevin qui vont dire. Euh, hey. Tu n'as pas fait assez de fait de temps de rendu. Ben non, ce n'est pas assez de temps de rendu. C'est juste du grain cinématographique. Et ça, même dans les prods hollywoodiennes, un rendu 3D, on va le regrainer par-dessus. Sinon, il y a cet aspect trop artificiel. Donc, toujours regrainer. Pas très fort. Moi, je le mets à 50 ouais. Moi, je sais aussi des... sur les photos. Tu sais, sur ouais. les photos montage et tout. C'est cool aussi de rajouter du grain par-dessus pour tout mettre ensemble. Sinon, il y a des trucs différents, euh, des photos différentes, des machins. Et en fait, le grain, ça… Ça met tout le monde exactement dedans. ouais ça fait un liant euh, de tout ouais. et c'est comme la color correction finale ça fait un liant tu vois de, de tout ce ouais, qui se passe vrai. et ça on va le voir après euh, donc là j'ai pris le grain de 35 mm mais je peux prendre un, un grain de 8 mm et on dirait un, un truc super 8 euh, à AG. donc ça c'est plutôt cool donc voilà ça c'était ça et puis après je peux rajouter des black bars donc les black bars c'est un peu euh, ce qui fait tourner la tête à tous les vrais mecs qui font du cinéma on rajoute jamais un png de Black Bar par-dessus une vidéo. On ouais. rend avec un aspect 1,33 pour avoir la vidéo un petit peu plus écrasée. Mais moi, en fait, j'aime bien garder cette marge de manœuvre au-dessus et en dessous euh, parce que vous allez le voir après, je peux avoir plus de contrôle sur mon image dans la hauteur et je peux, après au montage, me dire mince, j'aurais voulu un petit peu plus de hauteur et ça me permet de, voilà, il y les Black Bar de monter, et descendre. Donc c'est une hérésie d'utiliser des PNG de Black Bar. Mais, mais c'est une euh, bonne fente. Voilà, j'ai toujours été un hérétique donc ça me va d'avoir cette étiquette-là. Euh, donc euh, voilà, euh, ça c'était pour le premier plan, le plan montagne. Maintenant, on va avoir Ouh le plan portail. Et ça, c'est là où, où ça commence moustache. à devenir le plan moustache. C'est là où ça va devenir un petit peu rigolo parce que le plan de base, il est comme ça. En fait, j'étais euh, sur un bord de route. Derrière, il y avait un vendeur d'ananas et à gauche, euh, il y avait une voiture. Des voitures qui passaient à toute vitesse. Super spécifique, euh, vendeur d'ananas. Ah, sinon, l'effet ne marche pas. <laughs> non, ça n'a aucun euh, sens, d'accord euh, Donc, euh, le, le, le plan de base, c'est ça. Et euh, voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment rester dans ce truc de euh, Loki, comme j'avais vu les making-of, de me dire je peux être n'importe où. Et grâce aux technologies d'aujourd'hui, je peux être sur une planète où, où en l'an 2334, où Colonel Sanders a fait faillite. Euh, donc, euh, pour ça. Euh, merci à toi. Là, je vous remercie le plus honnêtement possible euh, d'avoir fait euh, le rotobrush 2. Parce que le ah rotobrush oui. 2. On a fait on une a session permis... extrait là-dessus. Hein. Et oui, 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 oui. Euh, là, le rotobrush 2 m'a permis de rotoscoper 8 secondes. 8 secondes, ce qui équivaut à beaucoup de frames. Euh, beaucoup, beaucoup de frames. Donc oui, Rotobrush 2, Alex Green, c'est exactement ça, le RotoBrush 2. Et en fait, dans ma roto, je vais mettre tous les effets un par un. Donc, ça, c'est le plan voilà, de base. J'ai utilisé Rotobosh 2 avec ces paramètres-là, donc 2.0 et Best pour avoir la qualité Mucho Gusto. Et vraiment, ça a pu me rotoscoper absolument tout, mais limite en temps réel. limite je, je... Alors, il y a eu quelques petits endroits où ça buguait parce qu'il y avait des voitures qui passaient derrière moi et ça, il n'aimait pas trop. Il se disait, oh, oh, oh ça va vite. Wow. Donc, il y avait des petits glitches un peu, mais ils se démerdent trop bien. Et petite anecdote. Parfois, je lançais le, la propagation. On appelle ça la propagation avec le rotoscopie, Ça veut dire que, au début, on dit au logiciel voilà, tu me prends mon corps, tu prends mes bras, tu prends mes vaches, tu prends voilà, un peu tout, et tu appuies sur Play, et lui, il va propager ce que tu lui as donné tout au long de la vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est trop fou. Et petite anecdote, c'est que je le lançais et je travaillais euh, autre chose à côté. Donc, c'est fou de se dire que je peux bosser autre chose pendant que lui réfléchit à ma rotoscopie à côté. Donc, ça nous permet de gagner du temps. Et là, donc, j'ai toute ma rotoscopie. Alors, j'ai eu 48 heures, ce n'est pas la rotoscopie la plus propre du monde. Euh, si vous êtes attentif, vous le voyez que c'est un petit peu dégueu à droite à gauche. Mais bah quand on s'appelle. C'est au niveau des cheveux, en fait. Euh... Ouais, et voilà pourquoi il y a un truc qui s'appelle Refine Soft Matte, qui est un effet. Euh, c'est amélioration du contour, je crois. Et dès que je l'active, lui, il capte euh, parfois où sont les cheveux. Et après. Je vais activer ce qu'on appelle un Advanced Spill suppressor pour la couleur bleue et la couleur verte parce qu'il y a des arbres derrière moi. Là, on, avoir, on va voir que ça désature un petit peu les bleus et euh, ça permet d'avoir euh, moins cet aspect bleu. Et encore une fois, ouais, comme tu l'as dit, les cheveux ne sont pas incroyables. Là, j'ai un petit trou et j'aurais pu sélectionner cette zone-là et le masquer. Mais bon, oui. hein, je n'avais pas ça le temps. Fait le taf. Voilà, j'essaie. Est-ce que tu as de regardé des. C'est quoi les trucs que tu as regardé au moment de filmer? Mm -hmm. Ou tu as été un petit peu attentif, bon, a priori pas le décor et tout, mais est-ce que tu as fait attention ouais. à la lumière, au cadrage, à ces trucs-là Alors, oui, en effet, j'ai fait attention à la lumière parce que euh, j'avais déjà commencé à bosser mon, mon plan montagne euh, que je okay. vous ai montré juste avant. Et en fait, je savais que c'était une sorte de coucher-soleil qui venait de la gauche. Euh, du coup, j'ai réfléchi, on y est allé très tôt, c'était 8 h, je crois, un truc comme ça, 9 h, euh, pour avoir le soleil qui n'est pas encore au zénith, qui est d'un côté. Euh, comme ça, au moins, je savais que c'était ça. Et je savais que le mouvement allait sur le premier plan vers la gauche. Donc, j'ai voulu être sur le tiers droit. Donc, il y, y a des réflexions quand même des règles de 180 degrés. Donc, euh, là, par exemple, voilà, c'est la lumière surtout. La lumière et aussi le mouvement de caméra qui est quand même tremblant. Mais je voulais cet aspect un peu filmé à la main. Voilà. Mais ça, je vais vous l'expliquer euh, juste après. Donc, euh, oui, j'ai rotoscopé tout ça. Euh, donc, maintenant, quand je me mets dessus, hop, ça me fait le fond nickel. Mais il y a quelques petites choses, comme vous voyez, les couleurs ne vont pas, ni rien. Mais d'abord, on va regarder l'environnement. Encore une fois, si vous avez des questions, allez-y, allez-y. Euh, du coup, comment se fait un peu ce plan Alors, ça, c'est le rendu brut. C'est ce qui sort de mon rendu 3D. Donc là, comme on peut le voir, j'ai rajouté cet SP un peu sale sur le vert. On voit l'épaisseur qui est lumineuse comme dans l'effet. Donc, il y a beaucoup de personnes. En fait, ça, c'est un peu, un peu énervant quand on fait des plans en aussi peu de temps. C'est qu'il y a des choses que parfois, on aurait voulu revoir et qu'on se rend compte que quand on a fini. C'est pour ça qu'un projet comme les effets visuels de Loki, j'en parle dans ma dernière vidéo, il y a des superviseurs. C'est-à-dire qu'on bosse, les artistes bossent sur les effets. Et en fait, ils bossent tellement sur des effets qu'ils ne se rendent pas compte de leurs erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a des superviseurs qui viennent et qui disent Hop, t'es resté trop longtemps de tourner dans la 3D, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Okay. Et moi, par exemple, ce qui ne va pas, je le sens là, c'est que mon verre n'est pas assez épais par rapport au verre de base. J'ai l'impression qu'il est okay. épais un peu plus de 30-40%. Et ça aurait été mieux d'avoir un petit peu plus d'épaisseur. Mais ça, bon, quand on va vite. Bon, Il s'est se dit que toi, tu es tout seul en 48 heures et que les mecs, ils sont... C'est quoi la taille beaucoup. du générique de Loki Je n'ai pas encore regardé, mais... C'est beaucoup, euh... beaucoup trop. Donc, voilà, mais dans, ma... Je... dans ma dernière vidéo euh, sur Loki, j'explique le nombre de plans effets visuels qu'il qu y a dans le film, euh, donc dans la série. Donc pour une série de six épisodes, euh, ils ont mis un an pour le faire. Il y a 2524 plans d'effets visuels. Euh... <laughs> Mince, j'ai verrouillé ma j'ai Verrouillé mon Windows, c'est marrant ça. Euh, et du coup, il euh, y a 2500 plans et il y a, pff, je sais pas moi, peut-être 8, 8 entreprises qui bossent euh, en tout sur le film en effet visuel. Et parmi ces boîtes, il doit y avoir en tout 100-200 personnes par boîte, donc ça fait énormément de personnes. Au moins ouais, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous restez, euh, bah, ils, ils arrivent à faire rester les gens euh, au générique euh, sur les Marvel maintenant avec les plans de cadeaux, mais tu un quart d'heure comme ça à voir tous les noms. Et Exactement. 80%, bah c'est les effets visuels, quoi. C'est ouf. Maintenant, j'ai des potes à moi qui bossent sur ces séries-là. Et à chaque fois, je regarde comme ça. Et dans un, une série de 200 ouais. notes, et là, tu oh, t'es là, sur la droite. Ah, il est là. Noyé. <laughs> Donc là, c'est le plan de base. Et euh, l'avantage, en fait, d'utiliser un plan qui est complètement 3D de s'incruster dessus, c'est que là, par exemple, le portail fait de la lumière. Et de mimer cet éclairage-là du portail dans la vraie vie, sans utiliser de la 3D, c'est très compliqué d'avoir euh, vraiment cette source de lumière qui coïncide avec l'ouverture du portail. Voilà, c'est compliqué. Et d'utiliser la 3D nous permet d'avoir ce réalisme-là euh, très cool. Ensuite, derrière, on peut voir que je n'ai pas de ciel, tout simplement parce que j'ai voulu garder un ciel euh, à moi, en fait. Je voulais vraiment un ciel qui, qui... que j'ai téléchargé ailleurs d'un concept artiste qui a bossé sur des films de fou. Et il s'est amusé à prendre plein de ciels. Dès qu'il voyait un ciel épique, il faisait « Oh, ça, je prends !» Pour un montage, ça peut être pratique. Donc, euh, c'est un plan. Alors, je ne sais pas si on va voir comme c'est du RAW. Peut-être qu'il va pas aimé mais en gros voilà c'est un ciel tout simplement que j'ai mis au fond donc là on peut voir qu'il y a une ville mais bon on le cadre pas ça hein okay. euh, et voilà donc c'était un ciel et je l'ai orienté de telle manière où ça soit logique avec l'éclairage et euh, ensuite ça fait ça du coup ensuite il y a le atome dimension comme je l'appelle atome dimension c'est quoi atome dimension c'est la rotoscopie que j'ai faite de moi euh, sauf que je l'ai mis en Luma. Comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas le réexpliquer tout le temps. Mais... Alors, euh... les Luma et tous ces trucs-là et les alphas, tu as super bien expliqué ça la semaine dernière, la semaine dernière. avec amour. Exactement. On a vraiment pris le temps. Donc, euh, on Exactement. va vous repartager euh, la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la semaine dernière si vous avez besoin de, de comprendre ça. Voilà. Ouais, comment ça fonctionne et j'ai mis ce layer-là de rotoscopie en euh, luma d'une passe que j'ai expliqué tout à l'heure, les passes de réfraction. C'est quoi les, de, les passes de réfraction C'est ben, comme notre euh, portail est en vert, il va euh, réfracter la lumière donc, et c'est la passe, on va dire, de transparence. Et donc, j'ai dit que ma rotoscopie allait apparaître qu'aux endroits où il y a de la luminosité. Donc maintenant, en fait, yeah, ma rotoscopie cool. apparaît qu'aux endroits où il y a le portail. Et j'ai rajouté après des effets de déformation pour avoir cet aspect un peu déformé sur ma silhouette, comme si j'étais vraiment derrière. Et en fait, cet effet de déformation est réellement basé sur ma map aussi de réfraction. Donc, c'est vraiment les déformations que fait ma 3D sur mon plan réel. Alors, Bastien Mayotte qui nous dit Tu les trouves où Du coup, c'est ciel Sur Gumroad, euh, sur Gumroad ou Adobe Stock qui propose aussi des ciels euh, Mucho Calidad il y a Alexandre, qui vous... il vous partage plein de liens depuis le début, et du coup il a partagé ouais. aussi une petite liste utile pour les IOR, indice de réfraction. Ah, il cool. y a des petits pouces qui tombent là aussi, hein. des petits pouces de l'amour, des petits pouces bleus. <laughs> On peut acheter le plugin Atom, c'est-à-dire tu veux, tu veux m'acheter c'est le, le paquet avec tout et la moustache tu vois <laughs> grave de ouf il faudrait que je fasse un partenariat avec A Script le site là et il dit fait un combo Atom genre tout ce que j'utilise franchement euh, tu ça. franchement je vois pourrais hein. t'en ouais, demander je vais, je vais voir ça je vais voir ça ah ouais, ouais. Euh, donc là j'ai mis donc euh, je l'appelais Atom Dimension ça veut dire que c'est le Atom qui est encore dans l'autre dimension pas celle où on est actuellement c'est celle d'où je proviens voilà euh, donc c'est le Atom Dimension qui est de l'autre côté et ensuite, encore une fois, le post-process. Donc, c'est la passe de glow. Et on peut voir que le glow est plus puissant à certains endroits que d'autres, tout simplement parce que dans l'émissive, la, dans la lumière de mon portail, j'ai mis un noise. Enfin, une fois les noise, ça nous sert à tout, pour avoir une différence d'intensité de, de luminosité qui n'est pas pareil partout sur le portail. Euh, donc voilà, ça c'est la scène entière de comment ça s'est agencé. Et ensuite, donc ça c'était juste pour l'environnement. Hein. Après, il y a d'autres choses. Donc là, ça c'est l'environnement. Euh, L'environ, ensuite je vais mettre la roto. Et la roto, en fait, à quoi elle nous sert bah, Déjà à voir le personnage qui est dans la scène, mais aussi à avoir la silhouette qui passe à travers euh, le portail. Parce que euh, dans les références, on voit qu'il passe à travers. Donc, okay. dans le cinéma, comment ça marche dans le cinéma hollywoodien euh, pour avoir ces effets-là de personnages qui passent à travers, où on a vraiment bah, le pied passe en premier, ouais, puis le corps. Le, voilà. ouais, le, le volume qui sort. C'est ça, l'effet de scan, on va dire. Qui... Et ça, en fait, au cinéma, euh, on appelle ça de la roto-anime. Ça veut dire qu'il y a des gens, ce sont des roto-animateurs. Et leur job, c'est. Euh, ils ont un plan de film, comme imaginons le dernier Spider-Man qui va sortir. Là, il y a des artistes. Leur euh, travail, c'est d'avoir le plan qui a été tourné. Et eux, par-dessus, vont animer les CG Double. On appelle ça les CG Double, c'est des oh, doubles 3D. Cool. Voilà, et leur job, c'est de prendre le personnage et de l'animer par-dessus la capture qui a été faite sur le tournage. Donc, il y a des gens, juste, ils font du copier-coller. De, 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 des acteurs en fait Donc, ça doit être un travail très fastidieux euh, je n'aimerais ouais. pas trop faire ça parce que c'est vraiment c'est comme les roto-artistes hein. c'est ceux qui font de la rotoscopie masque par masque et ils font ça toute la journée oh, c'est compliqué euh, je ne pourrais pas je deviendrais fou c'est le travail d'usine mais euh, ouais, devant un voilà. ordi pour les, pour les studios quoi exactement et petite anecdote aussi dans le cinéma il y a des pays qui sont plus ou moins roto-artistes par exemple en Inde il euh, y a beaucoup de euh, compagnies de rotoscopie. On envoie euh, des, des rushs à faire là-bas parce que travailler à la chaîne, sont... c'est un peu comme l'industrie en Chine. Quoi. En Chine, ils travaillent à la chaîne. Oui. En affixe certaines boîtes, euh, voilà, travaillent à la chaîne pour fournir ça. Et euh, du coup, avec le moustache, euh, Pierre Meunier qui nous dit avait la moustache dans le coffret premium. Ah là, ah bah là. oui. Ah, je rajoute un petit postiche, tu vois. Pour l'achat de 10 plugins, <laughs> vous avez un post-it moustache. Euh, du coup, euh, là, ensuite, euh, Maroto, je vais pouvoir me faire sortir donc mon personnage, et donc moi, je n'ai pas le temps de... et surtout les capacités de faire euh, mon double digital l'animer en envie, fonction de ma posture, ou euh, ouais, et, et que... puis pas envie. Hein, bon, sinon va je vais sentir. devenir comme, euh, comme Jack Torrance <laughs> dans Shining, tu vois, dans le... Jack Torrance dans Shining, bien fou euh, avec la hache. Voilà, ça aurait été moi. Euh, et, et aussi, si j'avais pas eu le roto deux, je... en fait, si j'avais, en fait, voilà, pour, pour être clair, s'il n'y avait pas le broche 2 je n'aurais pas fait ça, en fait, euh, tout court. Je n'aurais pas fait cet effet-là. Euh, donc, merci, Adobe, c'est grâce à vous. Euh, du coup, pour me faire sortir, ce que j'ai fait, c'est que deux, deux techniques, j'aurais pu faire. La première, dessiner des masques euh, image par image pour animer la logique de... Voilà, mon pied droit passe devant, donc je vais commencer par mon pied droit et animer le masque okay. pour, dans la logique. Ça, c'était déjà trop long. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un effet qui s'appelle Simple Shocker. Donc, c'est euh, érodé, je crois, érodé en... Euh, en français, et ça va me permet de... Vous allez voir. On va le voir bientôt, normalement. Alors, j'ai mes clés d'anime ici. Voilà. Donc, quand je vais sortir, je vais vous montrer, je vais activer tout parce que j'en ai fait plusieurs instances. Voilà. On peut voir que ça va partir du centre de ma rotoscopie vers l'extérieur, ce qui n'est physiquement pas logique. Euh, là, mon pied, par exemple, est plus devant que mon tronc. Ah ouais, euh, ce sera le genou, par exemple. Voilà, ça ah non, euh, le... Ok. Donc là, c'est juste l'épicentre de mon masque vers l'extérieur, ce qui fait, c'est un peu euh, le sort du portail. Mais c'est vraiment. Oui, mais ça, euh, ça fait la blague, oui. Voilà, ça fait la blague, c'est du système D, ça va vite, ça dure que 2-3 frames, tranquille. Euh, tu peux faire une photo en 8K de ta moustache pour pouvoir l'admirer. Euh, je vous ferai ah, bah, un fond un peu trop long cette histoire. Ah, ouais, <laughs> cette, cette histoire de moustache, euh, je ne savais pas qu'elle allait marquer autant les gens. Ah, euh, <laughs> du coup, voilà, ça, ça me permet d'avoir ça. Je vais rajouter après parce que je trouvais l'effet le, un peu trop lisse, donc j'ai utilisé ce qu'on appelle le roughen edges. C'est exactement le même effet que pour mes nuages que vous avez activé sur les masques, euh, okay. sauf que là ça me fait voilà, cet aspect un peu euh, cassé sur mon masque. J'ai rajouté RSMB, c'est tout simplement un plugin qui va me permettre de faire du motion blur. C'est Real Smart Motion Blur qui est plus rapide que l'effet qu'il y a de base dans After Effects qui s'appelle CC Force Motion Blur marche bien hein, mais qui est très long. Euh, donc RSMB très cool. Ensuite j'ai rajouté une courbe qui me permet de bah, avoir euh, cet aspect un peu plus euh, incrusté dans mon image. Je vais vous montrer ça. Il va bien charger. Bon, après je suis en 4K et en full, donc on va peut-être passer en third quality. Qualité un tiers ou un quart. Voilà. Donc la courbe me permet de passer d'un truc qui est un petit peu plus froid, un peu plus trop. Voilà clair et vous voyez que là je restitue des couleurs qui sont un peu plus logiques par rapport à mon environnement donc plus chaud plus dans les highlights un peu plus sombres parce que c'est le coucher de soleil donc voilà euh, et après j'ai rajouté un petit euh, simple choker parce que le détourage il y avait un, un, un pixel un pixel en trop euh, donc je l'ai enlevé RSMB, c'est vraiment incroyable mais assez gourmand en ressources c'est vrai mais par rapport à ici Force Motion Blur c'est quand même ultra optimisé donc maintenant, j'ai mon personnage qui sort du portail et je vais pouvoir ajouter un truc, encore une fois pour les flemmards, j'adore ça, ça s'appelle Super Comp, qui est un plugin encore une fois par Red Giant, c'est les mêmes qui font Magic Bullet Look. Et euh, Super Comp, c'est quoi C'est plein de techniques qu'on pourrait faire dans nos compositions d'After Effects, mais qui, eux, vous l'ont fait dans une seule et même fenêtre qui encapsule tout ça euh, pour aller plus vite. Donc je ne conseille pas d'utiliser ça si vous êtes débutant, euh, moi, j'utilise parce que tout ce qui me permet de faire, là, je sais le faire à la main. Des live rap, des, des diffusions, des, toutes ces choses-là, je sais les faire, mais juste, j'utilise ça pour les plus vite. Et ça va permettre de quoi Eh bien, là, si je désactive tous les effets, voilà, je vais avoir mon image déjà qui est comme ça de base. Ça va dire. voilà. On peut voir ici, c'est mon image de base. Et là on a une très grosse source de lumière derrière moi. Ça fait beaucoup de lumière. Il y a du glow, ça éclaire l'environnement. Et c'est pas logique que ma silhouette soit comme ça. Il faudrait qu'il y ait de la lumière un petit peu sur les contours de moi. On appelle ça, ouais. voilà, on appelle ça un light wrap. C'est la lumière qui enroule un peu un objet. Donc, je crois que j'avais expliqué sur un stream de la comment faire ça un jour. Oui, c'est même sûr. Je l'avais expliqué. Euh, on en a fait beaucoup ensemble, hein, les streams ah, quand même, bon, sur la chaîne de euh, À force, vous allez pouvoir faire une playlist un jour. Euh, et du coup euh, là j'ai une color correction déjà ce qui est cool avec color correction c'est que il y a un petit bouton qui s'appelle match background et c'est très cool comme ça on l'indique je clique et en fonction du background il va mettre toutes les couleurs les highlights les shadows à la même teinte que mon background et ça ça va nous permettre d'avoir vraiment ah oui, une un couleur peu plus... un peu magique voilà. et en okay. fonction de l'objet où il se trouve dans l'image de la silhouette par exemple ça va se réadapter les couleurs donc c'est très cool en fait si je comprends tu vois tous cool. les les plugins, en gros, c'est pas indispensable, mais ça fait gagner un temps de ouf si euh, tu t'en sers souvent. Exactement. Quoi. Exactement. En fait, les plugins, c'est que ça. C'est vraiment des techniques qui ont été encapsulées vers quelque chose qui est plus rapide. Sauf parfois pour certains plugins comme Optical Flare, euh, Element 3 D. Ça ajoute des, vraiment un truc. Voilà, ouais. Ça ajoute une plus-value ouais. au logiciel et tout ça. Mais en général, les trois quarts des plugins, c'est de toute façon les plugins sont codés avec ce que, en général avec ce qu'After peut faire de base. Euh, c'est juste eux qui font l'encapsulage voilà, qui est cool. Euh, ouais. après j'ai rajouté un light wrap et c'est ça en fait comme on peut le voir il capte ce qu'il y a dans le fond il dit ok donc là je vais rajouter cette lumière ici sur les contours et après j'ai rajouté un petit diffusion histoire de rendre le tout un petit peu plus diffus et donc maintenant voilà ce qu'on a alors qu'avant on avait ça okay. donc ça permet de merge un petit peu tous les éléments ensemble euh, ensuite un truc que j'ai rajouté euh, c'est que voulu vraiment donner un aspect organique avec euh, le plan que j'avais donc j'ai voulu vraiment rajouter cet aspect ça a été tourné à la main ça tremble un peu la caméra bouge euh, je voulais qu'il y ait cet aspect un peu la lumière per percute l'objectif qui est un peu sale et pour faire ça j'ai utilisé euh, une technique qui est très très cool je vais vous montrer j'ai importé une image un, que j'ai trouvé sur google de lens dirt simplement une Là, une image floue, un peu de salissure de caméra. Et ça, en fait, ça me sert à mettre toute ma vidéo. Ce, ce que vous voyez à l'écran là, j'ai fait un précompte de tout. Donc, c'est juste ça. Voilà ça que j'ai mis en luma de mon optique. Donc, maintenant, ma vidéo va être visible qu'aux endroits où j'ai mon lens dirt. Comme on peut le voir. Et j'ai flouté mon lens dirt. J'ai rajouté une exposition pour que ce soit plus fort. Et en gros, cette technique, elle sert à quoi Ça sert Eh bien, s'il y a de la lumière, il y aura de la lumière. Mais s'il n'y a plus de lumière, regardez comment ça interagit en fait avec mon rendu 3D de base. On peut le voir en fait ah, que. Exactement, on... c'est comme si tu filmais derrière une vitre, Exactement. Une vitre mouillée. Ouais. Exactement, c'est ça. Et, et là, ça me permet de vraiment avoir euh, la, la texture de la lentille qui. Euh, Interagir réellement avec les lumières de mon rendu 3D de base. Parce qu'avant, euh, j'utilisais juste la texture de la lens dirt, qu'on a vu, ce map en noir et blanc, par-dessus que je mettais en mode écran et j'étais content. Mais ça, c'est la mauvaise manière de faire parce que ça rajoute juste une couleur par-dessus. Ça réexpose qu'aux endroits où il y a la texture blanche. Mais là, d'avoir ça, on peut voir. On voit les trucs bouger derrière. Donc ça marche très très bien. Et le fait de faire ça et de mettre ce layer-là en mode écran, ça va rajouter donc cette teinte très très cool à notre image, cet aspect réaliste un peu. Et ensuite, j'ai rajouté un Line Glow. Un line Glow, c'est quoi ben, C'est la connexion entre moi et le portail, cette espèce de liseré blanc qu'il y a aussi dans, euh, dans Loki. Et ça, je l'ai fait grâce à, encore une fois, le layer 2 euh, rotoscopie avec les mêmes effets de Simple Shocker. Sauf que je les mets en mode alpha inversé. Layer pareil de rotoscopie avec un simple shocker décalé, et donc ce qui va me permettre d'avoir cet aspect un petit peu euh, ligne. Donc j'ai juste une ligne que j'ai animée, et euh, voilà, ça me fait ça, quoi. Tout simplement. Okay. Et après, j'ai rajouté un effet de glow par-dessus, et euh, ça donne ça. Donc j'avoue que ce plan-là, euh, ça commence à être une inception de layer, et je peux comprendre que ce soit compliqué à comprendre quand on le regarde comme ça, mais c'est pas si compliqué. Mais c'est beaucoup de choses d'encapsulage, de. Et... Oui, en fait, c'est hyper marrant parce que sur tes. À chaque fois sur tes FX où tu mélanges de la vidéo, toi, tu vas rajouter plein de trucs pour brouiller un peu les perceptions, tu vois, du flou, des mm -hmm. aberrations, des machins. C'est hyper cool. Alors que quand tu filmes ou quand tu as un appareil photo, généralement, tu essayes de t'en débarrasser, tu vois. C'est oui, hyper ouais. rigolo, en fait. Comment euh, -hmm. ça commence à se oui, rejoint bah ouais. C'est marrant, ouais. Ça se rejoint. On essaie de trouver toujours l'équilibre, euh, que ce soit entre. La photo, la vidéo, la 3D, on, on essaie toujours d'aller vers le point de juste milieu, c'est ça qui est marrant. Et euh, et du coup, donc là j'ai eu tout ça, c'est très bien. Ok. Et après, euh, ce que j'ai fait aussi, ça je voulais pas montrer, mais l'environnement, après je le floute euh, dès que la caméra se rapproche de moi, dès que la caméra se rapproche de moi, vous voyez que j'ai mis un effet de flou comme si la map euh, de la caméra se faisait sur moi et pas sur larrière plan. Donc ça permet de rajouter encore une fois cet aspect euh, pris à la caméra. D'avoir ce flou qui se crée derrière. Donc, c'est juste une animation du radius, du flou, euh, voilà qui va de pas beaucoup à beaucoup. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, voilà. Ensuite, je vais rajouter la color correction qui va lier le tout. Donc, encore une fois, j'utilise les mêmes color correction, les mêmes réglages que pour l'environnement. Donc, quand je le rajoute, hop, voilà, ça, on a cet aspect un peu plus réaliste. Ouais, ouais ça mélange bien tout. Et après, le grain. Les on a qui demande c'est quoi la performance de ton ordi est-ce que tu nous parles de la bête la bête alors la bête euh, la bête elle a euh, 128 gigas non, non qu'est-ce que non 256 gigas de RAM euh... c'est autant que ma mémoire ouais. <rire> <rire> 256 gigas de, de RAM 2,3090. donc pour les rendus c'est pour ça que ça va vite euh, et après j'ai euh, j'ai un Threadripper euh, je sais plus quel c'est de modèle mais il a 32 cœurs, 64 threads et, euh, et après j'ai des disques durs NVMe et ça c'est très cool les disques durs NVMe c'est les disques durs les plus rapides les disques durs pardon les, euh, les SSD les plus rapides euh, donc ça a des vitesses de, de transfert folles et ça pour travailler les textures en 3D ou charger des fichiers dans After Effects ou des lire des fichiers c'est très très cool donc euh, c'est ça euh, mon PC dans les grandes lignes euh, donc ça c'était la rivol voilà euh, le billboard ça c'est marrant alors c'est dommage je, je... Je ne comprends pas. Euh, substance est capricieux aujourd'hui. Je ne peux pas l'ouvrir, mais j'ai fait un petit panneau. Euh, c'est exactement le même principe. Si on regarde le plan de base, je ne vais pas repasser sur euh, tout ce que j'ai fait parce que de base, la roto, c'est ça. Là, il y a ma voiture. <laughs> ma voiture avec moi sur le côté, avec les voitures qui passent et tout. C'est marrant de se dire ça. Et après, j'ai donc ce truc-là avec cette affiche de KFC. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je voulais créer ce variant un peu euh, Colonel Sanders de moi et euh, j'ai tout simplement eu un modèle 3 D de panneau avec des textures que j'ai fait moi et petite anecdote j'ai fait euh, ces petits euh, ce petit logo KFC avec une photo que j'ai prise de moi comme ça dans mon <laughs> décor waouh stylé et après je suis allé dans une application qui s'appelle Face App sur mobile qui nous permet de transformer en euh, gros <laughs> vieux c'est tellement bizarre c'est tellement c'est bizarre hein Ouais, ouais c'est un canivali de ouf. Et, et ça va. En vrai, je me vois bien comme ça. Genre, ça marche bien, quoi. Les cheveux blancs, le j'ai toujours le petit bouc, la moustache elle est toujours là, un peu grisée. Donc, ça a me permis de voilà d'avoir cet effet un peu vieux pour donner cet effet Colonel Sanders pour ensuite avoir ce dessin-là que ma stagiaire a fait avec un iPad Pro avec Procreate. Et euh, ça, c'est le process juste de création sur Procreate donc, pour le regarder tranquillement. Donc, voilà, c'est un dessin. Dans la même esthétique que le colonel Sanders. Et après, je suis allé sur Photoshop et j'ai créé l'affiche du KFC. Tout simple. Et après, je suis allé dans Substance Painter et j'ai créé des matériaux un peu vieux, euh, abîmés avec euh, ce truc-là du colonel. Euh, voilà, je passe euh, le dessin sur mes tatoues Voilà. Et donc, oui, c'était ce oui. plan. J'ai rajouté le ciel, le sol, le flou bon. devant. C'est marrant, hein? Et encore une fois, après, euh, j'ai rajouté une color correction pour que ça marche bien et tout ça. Petit truc aussi sur ça. Ça, c'est sympa. Ce plan-là, il est marrant. J'ai une question juste... de Franck. On envoie des bisous ouais. à Franck. Euh, oh, Est-ce que tu as essayé la bêta d'After Effects avec le rendu en direct Alors, je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais c'est vrai que ça a l'air bien. En fait, il y a une belle fonctionnalité qui permet de, même quand on ne touche pas le PC et que, imaginons, je suis sur cette comp ouverte et que je vais me faire un café. Lui il calcule quand même en, en amont sur quoi tu es et en fait il te fait des précalculs comme ça. C'est toujours un peu fluide donc c'est cool. Et il y a même une okay. nouvelle feature qui nous permet de savoir combien de temps prend chaque layer à se rendre. Donc ça c'est cool. Ça veut ah, dire okay. que imaginons... donc, tu peux voir celui qui te met mal quoi. Ouais. Exactement. Et dans et du le coup, grain des fois des trucs comme ça ça, ça a l'air de rien et ça te pète ton truc. Ok exactement donc ça permet d'identifier exactement ce qui nous ralentit et s'il faut on a un plugin ou un autre effet dans After Effects qui nous permet d'avoir une alternative pourquoi pas plus rapide donc ça ça peut nous faire gagner du temps donc c'est très très intéressant et, euh, et là je trouve qu'ils sortent de, de, de plus en plus des, des fonctionnalités très cool Adobe c'est très nice j'ai très hâte de voir Adobe Max hein. Ouh, je suis ouais hypé j'espère euh, j'espère qu'ils vont incorporer des trucs dans After trop cool là parce que le s'ils le, qu font aussi fort que le Roto Brush 2 là, je suis ravi Thérèse comme on dirait dans le père dans l'étude D'ailleurs, il y a Franck qui nous rappelle si vous voulez mmh. tester de quoi vous avez l'air euh, vieux, jeune, euh, je ne sais y plus y tout le... ce qu'il y a, mais il y a les, du coup, il y a les neurofilters ah oui, a... dans Photoshop. Ouais. <laughs> ah oui, c'est vrai, il y a... ouais, exactement. Ouais, il y a ça. Rajouter des sourires aussi, il y a des trucs un peu bizarres, mais euh, plus on s'en sert et plus ça s'améliore. Euh... En effet. En voilà. effet. En effet. <rire> <rire> Donc, ce plan-là, il est rigolo parce que c'est un close-up sur mon rendu 3D que j'ai fait de. Euh de la pancarte géante il y a cet aspect un peu mouvement réel tu vois la caméra elle fait vraiment porter je voulais toujours ce, ce mouvement porté à la main euh, que certains trouvent vomitif mais moi j'adore je ne sais pas pourquoi je... ça donne un effet organique à l'image et en gros comment j'ai fait ça euh, je crois je crois hein, que je l'avais abordé sur la chaîne de Adobe France mais j'ai une application qui s'appelle CamTrack AR euh, sur iPhone et en gros ça permet d'avoir euh, les mouvements de, de caméra 3D que je fais avec mon iPhone et de le récupérer dans mon logiciel de 3D ou After Effects. Il va m'exporter en fait les mouvements que je fais en point JSX. C'est un fichier script After Effects et ça va me donner une scène 3D avec des caméras et tout et ça va me permet de récupérer le mouvement de mon iPhone et okay. de le mettre sur ma scène 3D. Donc en fait, ce que vous voyez là, le mouvement ah ouais. de cam, c'est réellement moi avec mon iPhone qui est fait. Donc, donc euh... attends, tu peux filmer un truc random. Je fais la traduction ouais. pour ceux qui connaissent pas. Comme mmh. moi. Alors, tu peux filmer un truc random qui n'a rien à voir. Genre, tu peux dire, ah, je trouve un panneau. Euh, mmh. Et du coup, ça va juste garder le, la le manière mouvement. dont tu bouges et le truc réaliste, l'angle et tout. Exactement. Et en fait, euh, ce qui est cool okay. avec cette application, c'est qu'on peut mettre des points, des petits points euh, dans l'espace 3D pour avoir euh, des informations. Et en gros, j'avais fait une vidéo. Je peux, vous, je peux vous le montrer de toute manière, on a le temps. Euh, j'avais fait une petite vidéo. Um, truck AR. Tom, peut-être qu'on va trouver avec ça. Ouais. Et euh, voilà, euh, on peut voir, donc là, je suis dans After Effects, et je vais vous montrer le screen de l'app pour que vous faire une idée. Mais voilà, il analyse ça, c'est le sol. Il capte que c'est le sol, et je peux rajouter des petits points après. Voilà, des petits... Là, il capte, vous voyez, la grille bouge en même temps que ma scène. Et là, je dis un point ici, un point là. Et ça, pour les effets visuels, c'est plutôt cool. Et ça nous permet d'avoir des repères. Donc moi, en fait, je regardais ma scène 3D. Là, il capte que c'est un mur, par exemple. Et, euh, et en fait, ça nous permet d'avoir vraiment euh, ce feeling réaliste parce que moi, je regardais mon panneau, je me disais, OK, donc je vois que la caméra, ça filme d'abord le atome qui est sur le pectoral de colonel Atom et après, ça se relève pour voir la face. C'était un peu la blague en mode euh, What euh, Et du coup, euh, ça permet de vraiment faire ce qu'on veut. Quoi. Et ça, à avoir cet aspect réaliste dans, dans le logiciel 3D en animant une caméra, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir cet aspect organique. Et ça, c'est cool. cool. J'ai remarqué voilà, le petit poster euh, qui t'insulte aussi au-dessus de ton bureau. <laughs> ah oui, ouais, ouais, il s'est déplacé, mais ouais, ouais, au moins ça dit fais ton travail, arrête. Arrête travail Éparpille pas, ouais, c'est ça. Okay, Et euh, donc voilà, ça permet d'avoir euh, ce résultat très réaliste. Et ensuite, dernier plan. Le dernier plan, c'est pareil. Olivier mmh. nous dit l'estimation du temps tendu par calque se nomme Composition Profiler. Ah ben bah, voilà, ok, cool. Trop bien. Bah, cette feature-là est très très cool. Donc là, je suis sur mon dernier plan, le dernier plan de la vidéo. Euh, et par exemple, encore une fois, RotoBrosh magique euh, m'a permis de rotoscoper euh, 8 secondes. Encore une fois, je l'ai fait hier vers minuit. Et c'est fou de se dire qu'il arrive même à rotoscoper euh, mes lunettes. En fait, à un moment, j'enlève mes lunettes. Et. Euh... Il arrive à me choper les lunettes. Donc, encore une fois, j'aurais pu le faire mieux dans les carreaux de la lunette, j'aurais pu faire des, des petits effets, des machins. Vous voyez ici, c'est très propre. Quoi. Et ça, ouais, ça m'a demandé trois clics. Donc, c'est très très cool. Auto Brush 2 est efficace, as fuck, comme on dit en anglais. Et, euh, et après, donc, encore une fois, j'ai fait juste un rendu de mon fond. Et ça me fait donc cet aspect un peu euh, flou. Euh, donc, là, on peut voir que l'arrière-plan est plus flou que le devant-plan. Et ça, c'est parce que j'ai. Fait une zidep encore une fois donc c'est flou pas flou et pour faire la zidep je l'ai fait tout simplement avec un dégradé on peut le voir c'est un dégradé d'after effect et grâce au, à l'effet de bokeh je peux dire bah, tu prends cette map de dégradé et je veux que le, la netteté soit au blanc ici et pas au noir donc lui il va me faire un okay. flou comme ça un dégradé donc euh, ouais voilà et après avec la color correction et tout ça fait le liant comme on l'a dit tout à l'heure donc ouais Également en appli cool chez Maxon, il y a Move, une appli de mocap facial et corporelle. Ouais, carrément, c'est vrai que Maxon fait ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, petite anecdote, je vais recevoir une tenue de motion capture pour faire des animations 3D, ça va être très amusant. Donc, euh, qui sait, je reviendrai peut-être pour vous montrer des trucs de mocap. Ça va être marrant. Mixamo, euh, Mixamo racheté par Adobe qui a une bande de données d'animation très très cool en 3D. Donc, ça aussi, allez-y, jetez un oeil. Donc, voilà, euh, j'ai fait un petit peu le tour euh, de ce que je voulais voir. Euh, il nous reste encore un peu de temps. Donc, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez surtout pas euh, parce qu'on est ensemble encore. Euh, donc, euh, allez-y. Euh, en fait, ce petit laps de temps, c'est dommage, je voulais vous montrer Substance, mais il est capricieux là. Je ne comprends pas. J'ai remis mon PC un petit peu à zéro. Euh, il hein. fait la gueule. Ouais, il fait la gueule un petit peu. Bon. Et du coup, où est-ce qu'on pourra voir le rendu final de toute la vidéo Tu es en train de nous préparer un petit, une petite vidéo ah, sur YouTube qu'on voit, qu voit tout ça Exactement, j'ai fait mon tournage tout à l'heure de la vidéo qui sortira normalement vendredi sur ma chaîne YouTube à 18h. Il y aura euh, une vidéo un petit peu débrief, exactement ce que je viens de faire là pendant une heure, mais en format 8 minutes à peu près. Mais, euh, en format avec... YouTube, avec des exactement. réacts et tout. Ah ah ouais, <laughs> bon. ah, avec le doigt comme ça, regardez, c'est fou. Mais bon, <laughs> vous avez des petites avant-premières ici. Ah, c'est cool. Mais vous n'avez pas des questions, des petits trucs, allez-y là. Bon, je peux vous répondre si vous avez des de, de questions sur certains plugins, sur certaines techniques, allez-y parce qu'on peut y regarder un petit peu de plus près. Euh, donc Comment tu as vu ton... ta... ta lumière autour de la porte La lumière autour de la porte Alors je vais vous montrer si vous voulez, on peut aller dans Cinéma 4D, je vais ouvrir un nouveau. Ah, tu as fait danser 4D du coup Exactement, ouais. Je vais vous le montrer rapidement. Euh... Je vais ouvrir Octane. Alors, hop. Octane Viewer, je le mets ici. Et en gros, pour vous montrer rapidement, euh, j'ai fait donc mon sol avec la boîte qui me sert donc de portail. Voilà, sur le sol un petit peu. Ok. Hop. Donc là, je vais créer un nouveau matériel euh, en 3D. Au matériel. Euh, hop, simple. Et en gros, dans les paramètres, ici. On a plusieurs réglages, comme par exemple la luminosité, euh, l'émission. Et l'émission, en fait, donc ça fait tout simplement euh, une, une couleur. Euh, ça émet une couleur ou une, une lumière, tout simplement. Hop, on peut le voir ici, voilà. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que dans la texture, j'ai mis ce qu'on appelle un dirt. Et le dirt, c'est quoi C'est tout simplement quand on va choisir les réglages un petit peu. On va pouvoir choisir l'endroit où on veut qu'il y ait de la lumière. Là, vous voyez, hop. On commence à avoir une lumière un petit peu euh, qui se trouve à certains endroits. Là. Et ah ouais, en okay. gros... Ensuite, j'ai... C'est de la lumière, un... c'est pas juste du blanc. Non, ouais, c'est de la lumière, réellement de la lumière. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un dégradé. Et je crois que je l'ai inversé. Voilà. Et après, normalement, qu'est-ce que j'ai fait là J'ai fait n'importe quoi. Pourquoi il y a ça Ok, d'accord. Et en inversant les valeurs, en fait, je peux avoir cet aspect un peu que euh, sur les bords, en fait. Et après, dans le dirt, je peux augmenter ou descendre le radius, comme ça. Pour vraiment okay. avoir que les bords. D'accord. Et après, ce que j'ai fait, c'est que dans ma texture, j'ai rajouté... Un, il est où Octane Noise. Et si je contraste, on peut voir qu'ici maintenant, je n'ai pas, euh, pas de luminosité absolument partout. Donc si je rajoute le glow, on peut voir que j'ai ça. Okay. Et euh, je l'ai pas fait parce que bah, je n'avais pas le temps et je n'y ai pas pensé, mais je peux rajouter de la rotation. Et en fait, ça, peut, ça fait tourner aussi le glow. Enfin, le le oui, bruit. Fait, Ce qui peut faire une animation. Exactement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et après, euh, j'ai juste à changer la température de euh, ma lumière pour que ce soit un petit peu plus chaud. Et hop, voilà, j'ouvre le portail. Et après, on met le milieu en vert. Donc, pour ça, hop, hop, je fais des petits réglages. Mais bon, on n'est pas sur un live de 3D, mais comme on a le temps, je vous montre rapidement. Et ça me permet d'avoir du coup euh, le milieu en vert. Donc, c'est plutôt cool. C'est comme ça que j'ai fait tout ça, quoi. Donc, si après, on rajoute un environnement, par exemple, 3D. C'est fou. Toi, ça te prend quatre secondes et demie, quoi. <laughs> ça, c'est quand, à force d'élaborer de, 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 des techniques à droite, à gauche, quand on veut créer un seul et même effet, on arrive à piocher dans ce qu'on a appris. Euh, voilà, quatre coins d'apprentissage. Alors, je fais juste des petits réglages, voilà. Donc ouais, c'est comme ça à peu près qu'on peut faire nos effets de lumière plutôt sympas. Ah tiens, il y qui dit le maître des VFX, c'est notre atome national. <laughs> euh, Billum qui demande, tu as parlé Unreal Engine dans une vidéo récente. Tu aurais pu le faire à la 3D de ta scène du portail de Loki avec. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Le problème, c'est que je ne connais absolument pas euh, Unreal. Il ne connaît pas du tout. C'est un peu compliqué à prendre en main quand même. Au début, tu... l'ergonomie du logiciel est. Mais euh, ouais, j'aurais pu le faire, en effet. En effet, en effet. Alors, moi, j'avais une question existentielle. Si ça dépend. Oui, Pierre qui dit ça prend des années à apprendre à faire ça ah, en ouais. 4 secondes et demie. Mais c'est clair. En effet. C'est <laughs> pour ça que c'est hyper impressionnant, en fait. Ah bah c'est euh... gentil, merci. Mais... Tiens, Joël demande, est-ce que tu as pu faire ça facilement traquer en 3D tes plans euh, oui, bah, du coup j'ai utilisé le caméra tracker d'After Effects euh, qui se trouve, euh, je vais vous montrer par exemple dans Arivol, je crois que j'ai une des scènes qui a toujours l'effet. Non. Mais en gros, j'ai tout simplement l'effet caméra 3D caméra tracker suivi de la caméra 3D en français. Et, euh, ouais, ça en fout. Et lui va analyser chaque petit point de mon image. Pour ensuite euh, avoir toutes les informations de position et après je vais les exporter dans Cinema Caté mais j'ai fait un stream à propos de ça sur la chaîne de Adobe France où j'avais joué avec des euh, Scooby Squeaks des Trapel Pauline euh, oh oui, les, vrai, euh, ouais. des biscuits de Scooby ouais, ouais, et vrai. ça j'explique tout le process donc allez-y euh, vous le retrouverez euh, tapez Adobe France Atom et vous trouverez le petit stream qui parle de ça mais en gros c'est ce système là c'est cette technique euh, en utilisant le caméra 3D tracker de After Effects qui est extrêmement bon il est très très puissant euh, donc, ça suffit largement. Et comme c'est très, très bien intégré avec euh, Cinema 4D, ça permet d'aller super vite. OK. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Celle-là, elle était bien. Moi, j'ai une question existentielle. Allez, vas-y. Alors, par exemple, ouais. sur... Euh, je ne sais pas où ça s'applique sur... Euh, c'est pas vraiment sur ce qu'on vient de voir. Mais tu mmh. vois, j'ai un truc qui m'arrive souvent. C'est... Ouais. Euh, Maintenant, pour faire des espèces de cinémagraphes ou des boucles, tu vois, des vidéos qui t as l'impression qu'elles ne s'arrêtent jamais, mmh. est-ce que tu as une technique secrète ou une feinte pour faire boucler genre les effets, les trucs comme ça Alors, pour faire boucler vois, des genre... effets, pour faire boucler des effets, en fait, ça dépend lesquels parce que certains sont un peu compliqués et d'autres non, mais en général, je prends la fin d'un layer, je, je... Non, le début d'un layer, je le mets à la fin avec une opacité, ça peut se gérer. Ouais, mais ça, ça, c est c est pour... Voilà, c'est pour certains effets, mais euh, j'ai fait une vidéo, c'est marrant, parce que j'ai fait des vidéos sur tout. Euh, euh, je crois que c'était sur une vidéo de Aurel San euh, J'avais parlé de l'art des casseurs flotteurs, parce que les casseurs flotteurs, je trouve, sont un groupe très créatif. Et euh, j'avais fait cet effet de cinémagraphe parce qu'ils ont un clip qui s'appelle euh, euh, Des histoires à raconter, je crois. Et c'est exactement ce procédé-là. Tu une vidéo qui fait exactement le même euh, chemin. Alors, on va le voir. Ouais, ouais, c'est cool, ouais. Là, vous voyez que, tac, il y a des trucs, c'est... Là, là, par exemple, le hamster, il passe, il repasse. C'est marrant parce qu'il ne bouge pas. Ah, c'est trop marrant, ouais. Il ne bouge pas, mais sa bouche bouge. Et il est effacé petit à petit dans son duvet, dans son lit. C'est très, très cool. Et j'avais refait cet effet chez moi qui s'appelle le cinémagraphe. Et en gros, voilà, j'explique que je me suis rotoscopé. Il y a l'eau qui coule, donc j'ai voulu conserver l'eau qui coule. Et euh, voilà, il y avait... mon ancien colocataire qui... Euh... Voilà, on peut le voir ici. Hop. Donc voilà, c'est ça. L'eau coule à l'infini. Mais euh, grâce à des masques, grâce à des trucs, là on peut voir que le bras, bah, il est totalement rotoscopé. Et c'est à l'infini. Donc c'est comme ça. Je pense que c'est beaucoup de masques, beaucoup de, de savoir où placer les, les pour que ça marche bien. Donc euh, ouais, bref, les casseurs flotteurs sont très forts. Ouais, du coup, ça va plutôt être du masque, des opacités, des transparences. Ouais, voilà. C'est très... Il ouais. faut jouer et, et comprendre où est-ce que l'œil aussi va se positionner. Il euh, y a plein de choses comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, tu vois, je pensais sur des trucs avec des particules, tu vois, comment tu fais pour les faire boucler, parce que là, du coup, euh, mm -hmm. je, à chaque fois, c'est un peu le casse-tête. Euh. Ouais, euh, je crois que... Alors, hein, y a un production crate qui font... Euh... Ils font des, euh, des tutos très 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 cool euh, mmh. sur euh, After Effects. Il lui, je crois, fait un script qui s'appelle Looper et euh, okay. littéralement va permettre de louper euh, voilà, avec des, des expressions, des machins. Je peux vous partager le lien si vous voulez. Oui, carrément. Hop. Il permet de louper des, des effets ou des vidéos. Et lui, on, là, maintenant, son animation est loupée pour toujours. Et je pense que c'est possible de le faire avec euh, aussi du feu, des, des choses comme ça. Parce qu'il a fait un truc ici, Looping Fire. Et il t'explique aussi comment loupe grâce à des opacités, euh, savoir quand louper. Voilà. va ouais, faire un peu la magie. Eh bien, écoute, trop cool. Mm -hmm. 13 minutes. Euh... Alors, on a des questions sur ton parcours et tout. Est-ce que tu veux ah. en parler un petit peu Eh bien, allez, go. Alors, du coup, euh... bah, coup j'ai vu quand tu étais en école VFX, est-ce que tu pouvais choisir mm -hmm. ton parcours pro est-ce que tu as fait une école euh, déjà Alors j'ai fait une école pendant deux ans, euh, mais ça m'a pas appris énormément sur la 3D, les effets visuels. Ça, les premières années dans des écoles comme ça, en général, c'est surtout de l'artistique euh, pure, manuel et culture aussi. Donc j'ai énormément appris sur la culture euh, cinéma, euh, que tout ce qu'on voyait à l'écran n'était pas euh, là par hasard et que tout est étudié. Euh, donc ça, ça a été très très intéressant. Euh, et après, euh, bah, tout ce qui est manuel aussi, là, le dessin, les, les choses comme ça, nous permet de comprendre le volume. Euh, mais bon j'ai pas appris ce que je sais aujourd'hui grâce à cette école là euh, surtout qu'ils m'ont viré après MDR donc euh, <laughs> j'ai pas pu commencer mon apprentissage donc euh, non ça a été purement de l'autodidacte et de euh, toute façon de nos jours on peut se former tant qu'on a la motivation et la passion on peut devenir un boss euh, en 3D sur internet il euh, y a absolument de tout maintenant regardez vous avez des streams d'Adobe de France euh, avec des techniques tous les jours c'est pas fou ça donc il euh, y a vraiment des bah, ressources illimitées hein, ouais. sur internet Parfois, je me pose comme ça. J'ai une crise existentielle et je me dis, il y a un pouvoir, une capacité illimitée devant nous grâce à Internet et les ordinateurs. Et, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas compris encore le fort potentiel de connaissances que peut apporter Internet. Euh, moi, j'ai énormément de personnes qui me demandent comment faire pour apprendre et tout. Un clic, un clic. Oui, Un clic te retient en fait, de tout juste apprendre. Là. Le, juste le plus euh, difficile c'est d'organiser ça et qu'il oui, y ait voilà. un fil qui soit cohérent. donc par contre l'information elle est là quoi. Exactement, c'est ça, c'est vraiment avoir aussi la motivation de voilà d'être tout seul d'apprendre, c'est quelque chose. Je pense que de toute façon les effets visuels et même ce que tu fais, Pauline, tout le monde c'est quelque chose de passion. Et euh, si vous avez la passion, enfin genre hier j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin presque et j'étais fatigué, mais j'étais comme ça devant mon PC. Ah qu'est-ce que j'aime ce que, j ce que ah, je fais, ah, Et j'étais fatigué, tu vois Là je me régale et okay. j'ai quand même envie de dormir. Oh, je retrouverai les couleurs demain parce que là, ouais. je ne vois plus rien. Mais c'est pas si C'est <laughs> <laughs> à peu près ce qui s'est passé. Euh, je me suis dit, vas-y, ça, je le fais demain parce que là, je suis mort et ça va avoir aucun sens. Donc, ouais. Ouais, bah. Et puis aussi, tu sais, il y, y a le piège aussi de regarder que des tutos. Et en fait, il faut aussi s'asseoir et faire des trucs. Je pense que Exactement. ça, c'est un peu quand tu n'as pas de cadre, c'est le plus dur. Oui. Exactement. Et je, et je sais que c'est pour ça, c'est un de mes projets pro que j'ai envie de faire de faire un site de formation. Euh, vraiment pointu, avec une bonne manière de fonctionner, parce que je trouve qu'il y a... Parce que mon apprentissage a été fait grâce à des formations, mais sur Internet, les formations sont très abstraites. On te montre un logiciel, on te dit, euh, voilà, ça, ça permet de faire ça. T'es bien gentil, Jean-Pierre, 40 ans d'expérience dans le métier, <laughs> mais je ne comprends pas comment moi, je peux arriver à faire quelque chose. Il m'a fallu énormément de temps avant de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, hein, euh, parce que tu apprends tellement d'une manière super... Très éparpillé, que tu ne sais ouais. pas comment faire un, un tel effet construit. Alors, je pense que le meilleur apprentissage c'est quand tu as un but final et que on t'apprend comment aller vers ce but final et pas genre euh, atelier pratique. On appelle ça atelier pratique, comment faire ça. Une idée, euh, tu en mode qu'une idée, Donc, euh, moi, c'est pour ça que mes vidéos sont très. De, depuis le début de ma chaîne, il y a l'effet final au début, comme ça les gens ils disent Oh, maintenant je veux savoir comment il a fait. Et après, il y a toute la technique, le, le chemin pour arriver là-bas. Donc, je, je pense que c'est pour ça que si je fais un site de formation, il y aura euh, atelier vraiment pratique. Comment faire C'était fait là, bam Et là, après, bah, j'explique After Effects pour aller jusqu'au but de ça. Un peu la manière de Video Copilot Andrew Kramer, c'est exactement ce qu'il faisait. Euh, je trouve cet apprentissage très cool, plutôt que du superflu, flou, bizarre. Oui, carrément. Parce qu'on peut se noyer sous les tutos qui servent à rien et pour lesquels, en fait, moi, je ne me servirai jamais dans ma pratique euh... Ouais. Du truc en fait, c'est ça. Mmh, c'est il, il y a tellement de spécialisations dans Photoshop, After Effects et tout qu'il faut trouver mmh. sa manière de servir du logiciel. Et... Genre 90% des trucs, ça vous n'avez vous avez pas besoin quoi, exactement. Et c'est pour ça que j'avais fait un stream encore une fois sur la chaîne de Adop France où c'était les bruits fractals. Quoi faire avec le bruit fractal parce que le bruit fractal on le présente comme un plugin. Ok, ça fait des tâches euh, noires et blancs, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Et j'avais expliqué 5 six exemples. Euh, de l'infinie possibilité de cet effet-là. Mmh. Donc euh, c'est bien ouais. beau de présenter un effet et ses réglages, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Donc c'était ça. Il y a une question qui nous dit, oui, ça sera gratuit les formations, euh, ça ne sera absolument pas gratuit mes formations, euh, mais ce ne sera pas cher. J'ai pas envie que ça soit euh, trop cher, parce que j'ai envie que ce soit abordable pour tout le monde. Donc je pense que ça sera pas cher du tout, mais euh, construire un site, payer les formateurs, parce qu'il n'y aura pas que moi. Hein. Moi, je ferai ma... ma Substance, After Effects, je pense Cinéma 4 mais il y aura des personnes que je vais faire venir pour du Houdini, pour faire plein de logiciels et j'ai envie qu'on tombe sur Photoshop. Et, du Photoshop voilà. et en fait, l'idée dans ce site-là, c'est d'avoir de, des guidelines parce que tu sais, Pauline, dans, tu dois connaître, hein, mais dans les sites de formation, ils acceptent à peu près tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de lien, tu n'arrives pas sur un site et tu as un produit homogène. Très genre, ok, donc toi tu présentes comme ça, toi tu présentes comme ça. Euh, certains formateurs tu as une affinité, d'autres non. Et en fait, là je, je veux moi avoir des guidelines précises et dire je respecte ça. Ah, tu peux pas le respecter. Bon, ben j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire Ok, ouais. euh, que ça soit un peu élitiste et que ça soit très, 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 très quali. Donc, euh, ouais, okay. bref, je m'éparpille sur mon projet pro. Ouais, il y a non, les questions. Américains font ça, mais c'est mmh. vrai que, que du... mmh, vrai. des choses en français, il y, y en a beaucoup moins. Il ouais. oui, y en a pas mal. Les photographes ils font beaucoup de choses après. Mais c'est vrai que mmh. dans la vidéo et tout, je ne sais pas trop. La 3D aussi, c'est très inexistant de toute façon. Ouais. Ouais. D'autres questions sur le, sur le beyond Parce que moi, j'ai que la visibilité du, du YouTube. C'est avec une YouTube Alors, ouais. attends, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs. Il y a Alexandre qui nous partage plein de trucs. Il, alors, alors, Alexandre qui nous fait... Euh... Nous on le voit, vous ne le voyez pas, mais mmh. on voit sa fenêtre et il nous déconcentre, <laughs> il, il se met des il, il soumet des filtres et tout pendant que nous on parle. Donc euh, voilà. À... Est-ce que ça veut dire qu'il s'ennuie Je sais pas trop. Il <laughs> euh, y a Olivier aussi qui nous a partagé une, une, un lien pour faire des loops de particules avec After Effects. Eh bien, merci beaucoup Olivier, oui. j'irai regarder ça. Trop ouais. bien. Et ah, Alexandre a fait une playlist d'atomes chez Adobe France. Ah oh, fou. Incroyable. Ouais. Incroyable, Pourquoi merci. Le ben, l'homme homme qui dit les Américains ont Andrew Kramer, nous on a Tom. Oh là là, me mettre à ah, son niveau ah, quand oui. même, c'est un peu abusé. Mais ça fait plaisir, merci. Tu l'as rencontré <laughs> ou pas Ouais, et ça, ça a été fou. Euh, certains, ils veulent rencontrer euh, Shakira, moi c'était Andrew Kramer, et je l'ai fait. c'était fou. C'était fou, <laughs> surtout que c'était lui qui m'avait proposé de faire cet événement avec lui. Et, et je me rappelle, il, il, on s'est croisés comme ça. Il me fait Oh En anglais, bien sûr, Oh Atom", Il me tape sur l'épaule. Et là, je fais Oh ça y est, Dieu m'a touché! C'est trop cool! <laughs> C'était fou, ouais. C'était fou. Ah tiens, on a Marc aussi qui nous dit The Future aussi, c'est trop bien. Alors, bah, The Future, c'est plus axé euh, graphisme et tout, mais j'adore, moi j'en parle souvent. Je on n'est pas du tout The Future. Les euh, du coup, les The Future, c'est une chaîne YouTube okay. qui est lancée par Chris Doe, qui est un designer, euh, c'est une, une grosse brute, et lui il parle beaucoup de l'aspect business. D'accord. Euh, comment. Comment on gagne des thunes en tant que créateur? Ah ouais. Donc, on en a besoin. Donc, okay. ils parlent beaucoup, beaucoup de ça, comment gérer ses clients et tout. Et ils ont aussi lancé une design school, un truc comme ça, et avec okay. plein de formations sur les couleurs, la typo, la composition. Ah, trop cool. Et avec trop ce cool. vrai euh, truc dont tu parlais, tu vois, il y, y a un vrai ouais. fil et euh, c'est hyper quali. Okay, donc, allez quoi, voir ouais. The Future, moi j'en parle souvent et j'adore, c'est hyper cool. Ah, ça a l'air bien, ouais. En train de regarder, c'est cool. Mais c'est ouais, ce truc-là d'homogène. Tu vois, limite, on a envie, j'ai une idée pour les formations que je veux faire, envoyer un kit au formateur avec des éclairages, euh, des trucs, pour qu'en fait, tout, même le visuel du euh, créateur soit le même que les autres. Il n'a pas d'éclairage, nous, on envoie des éclairages, tu les places là, là, est là, non. là. Bah, tout est clair. Bah après, tu regardes un petit peu les formations Domestica euh, Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais et bah écoute c'est bien foutu aussi hein. moi j'en ai suivi okay. deux trois euh, c'est bien foutu cool. domestica. Euh, et du non, coup là tu ça. vas tourner euh, chez eux donc en fait ils te font un petit décor pour toi il y a le truc ah, cool. et euh, tous oh, les bien. tous les formateurs suivent une guideline il y a pas mal de oh, trucs c'est cool. hyper trop chouette cool. mmh. ça, ouais, pas ouais. trop bien et euh, alors attends ouais, il nous il reste quelques ça, minutes n'hésitez pas, pas si vous avez des questions je voulais Merci. vous rappeler aussi on a il y a Joël qui nous dit qu'il y a une interview de Kramer sur The Future. Ah bah voilà, ah, les oui, grands esprits ah bah voilà. se rencontrent. Le monde est petit. J'irai ouais. voir, j'irai voir. Et d'ailleurs, en parlant de Domestica, j'ai connecté deux autres neurones aussi. Euh, du coup, vendredi, on reçoit les filles, euh, Aurore Bay et euh, Laura Lulier Et Laura Lulier qui a sa formation sur Domestica, qui va sortir bientôt. Donc, euh, mmh. c'est fou. Et du coup, ouais. les filles vendredi, donc ça va être de l'illustration. Et elles seront toutes seules. Je me fais abandonner du coup. <laughs> Mais euh, elles ont demandé à ce que vous... la communauté envoie des photos et elles dessineront par-dessus les photos. Donc ouais. si vous voulez envoyer des images, des photos, il y a Alexandre qui a fait un nouveau channel sur le Discord de Adobe France et vous pouvez les envoyer là. Voilà. Est-ce que j'ai bien... Euh... Est-ce que j'ai oublié quelque chose Je crois que c'est bon. Voilà. Ouais, Joël dit, c'est espagnol, Domestica, mais c'est vachement bien. Tiens, une grande image dit, le problème c'est qu'il y a beaucoup de bons YouTubers et on ne sait pas qui suivre. Il y en a beaucoup, des bons. Je sais pas, vous avez des noms de trucs cool à suivre en ce moment Moi, je peux donner quelqu'un, bon, il est plutôt connu, mais il y a ce gars qui s'appelle Pugnicher. Euh, je ne sais pas comment le dire, euh, je vous partage le lien si vous ne connaissez pas, mais en gros, il fait de la 3D et euh, il organise beaucoup de challenges 3D et avec des idées très cool pour lier en fait tous les travaux des artistes. Et il a fait ouais. là. Euh, ah, c'est lui qui a fait la marche là. Euh... Oui, c'est lui cool qui a fait ça. la marche. Ouais. Et là, trop, il, a fait, euh... idée, ouais. il a fait une idée, c'était une ré réaction en chaîne pinball Et en gros, il a dit voilà, vous faites une animation, vous prenez cette scène 3D que je vous fournis et vous respectez les timings, il ne faut pas que ça bouge et vous faites juste la, la séquence à l'intérieur pour que ça marche bien et voici le résultat, il les a tous mis côte à côte avec les artistes et ça fait une vidéo de 13 minutes où il y a toutes les créations des artistes qui descendent et euh, c'est juste fou en fait, c'est trop bien de ouais, voir les... Bien, les collaborations ouais. elles sont dingues, allez voir celle de la marche et tout, ça a un peu tourné là, le... il y a un ou deux mois, yes. c'était hyper cool Je pas vu celle-là ah, <laughs> c'est quoi très ce très Furby cool. de l'enfer ouais, je sais pas, il a tapé un délire c'est hyper cool. cool. En fait, ça me rappelle, parfois quand j'étais à l'école, tu sais, euh, les sujets de graphisme, les profs nous filaient un sujet. Mmh. Tu sais, tu as l'impression que tu es hyper cadré, que tout le monde va arriver avec la même chose. Et en fait, la semaine d'après, mais c'est parti dans mmh. tous les sens et c'est hyper ouais. différent. Et c'est ça qui est mmh. marrant, c'est que pour nous, une idée qui est évidente pour nous, finalement, ça va être, ça va être différent pour tout le monde. quoi mmh. euh... Corridor Crew, Corridor Digital, ah, c'est top. Pierre Meunier nous dit, j'ai enfin trouvé l'inspi du clip des casseurs flotteurs tout à l'heure, Romain Laurent, l'inventeur du cinémagraphe. Ah, cool. Oui. Okay. Euh... Ah, tiens, je pense qu'on a des noms de youtubeurs à aller checker là. Mm -hmm. SOS Ciné, Disk, Louison nous dit, Bellumphine nous dit, j'aime bien, Corridor Digital. Ouais, Corridor Crew, ils sont très, 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 très bons. Euh, ils, ils ont des petits challenges, en fait, où ils refont des effets visuels de films chez eux, pareil à, la, à leur sauce. Euh, avec des systèmes des, des trucs, ils améliorent des films aussi avec des effets spéciaux nuls euh, du passé et, euh, et eux ils le refont au goût du jour, c'est très très nice. Ils lancent des challenges comme ça, c'est exactement la direction que je veux prendre avec la chaîne. On va voir plusieurs artistes dans une même pièce 3D et on, on se lance des gros challenges comme ça, c'est trop bien leur chaîne. Corridor euh, Crew, ça s'appelle. Ok, bah écoute, tiens, on va aller voir ça. Bah t'as dû voir euh, passer cette vidéo de Boston Dynamics, le robot là, euh, qui torture, qui martyrise là. Le robot de l'angoisse, là. Ouais. ouais, le robot de l'angoisse, c'est lui qui C'est <laughs> très nice. Oui, pas d'autres questions Pas d'autres euh, quelque chose Et bah, écoute, euh, on peut terminer là tranquillou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des ah ben... dernières euh, ah ouais. questions, le. vous mot avez 4 minutes. C'est le moment. Vous... Ah on est 67, 67. Quand même, il y a forcément quelqu'un qui a une, une question de... allez Allez, les gars. Bah, je sais pas, c'est quoi toi tes futurs projets Donc, du coup, ton truc de formation euh, Ouais, ça, c'est au long terme, un truc de formation, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme projet J'aimerais faire de nouveaux concepts vidéo, des trucs un peu intéressants à faire, euh, moins techniques, plus faciles à regarder, mais toujours intéressants. Euh, là, par exemple, pour vous spoiler un petit peu, vendredi prochain, je vais sortir une vidéo sur la chaîne où ça sera. Euh, en fait, je regarde euh, les impressions 3D les plus insolites. Et en fait, il euh, n'y a pas que juste du plastique qui tourne comme ça pour faire des formes. Il y a des trucs de fou. Il y a des architectures, il y a des, des organes, des, du corail. Enfin, Il y a des, plein de trucs euh, très très cool. Donc euh, je pense que ça va être une bonne vidéo aussi. Donc plein de trucs comme ça. Ok. Donc toujours en lien avec euh, les trucs nouveaux dans le monde, euh, enfin, tous Mais, les, les effets. Euh... C'est ça. Artistique, un peu euh, numérique, pardon, pas digital. Je vais me faire taper dessus. Et euh, voilà, plein de trucs comme ça. <laughs> Allez, et bah, on va vous laisser là. Merci Nickel. à tous. Merci à, merci à tous. C'était hyper merci cool. À tous. On a appris eh plein bah, de C'était super cool. Content que ça vous ait plu alors Bah ouais, c'était hyper chouette. Euh, demain, vous n'avez pas encore Franck, encore en vacances. Mais du coup, vendredi, euh, n'hésitez pas à revenir avec les filles. Donc, euh, je vous rappelle, euh, venez sur le Discord de la chaîne pour envoyer vos petites photos qu'elles puissent dessiner dessus. Et puis euh, lundi, on, on rattaque euh, la semaine normalement où on va vous voir toute la semaine du coup. Donc, euh, alors on a euh, direction artistique lundi, je suis en train de regarder. Et je vais avoir une session hyper cool. J'ai hâte la semaine prochaine. On a euh, Valérie Belmokhtar qui revient et on va avoir une session sur euh, devenir illustrateur. Parce qu'on on on reçoit beaucoup d'illustrateurs, on a beaucoup de gens qui nous regardent et qui sont euh, illustrateurs ou qui aimeraient bien devenir. Et du coup, là, on va parler du métier vraiment pour bah, comment ça marche, comment on trouve des clients, comment euh, c'est quoi le métier d'illustrateur, mais dans le dur, quelqu'un qui euh, sait ce qu'il fait. quoi. Donc ça va être cool. Voilà, on va attaquer la petite rentrée, ça va être chouette. Donc euh, merci à tous. Je regarde si on a des petits messages de la fin. Ouh là là. Ah bah tiens, on a la, la question, euh, je la trouve intéressante. Donc euh, on va prendre Allez. 30 secondes. Et Marc, il y a Marc qui dit... Dites-moi les loulous, euh, bonjour euh, Loulou. Comment on fait pour mener à bien un projet sans guide et le client a pas d'idée Sans guide et le client a pas d'idée, c'est-à-dire que genre euh, on te dit <laughs> "fais ça" et tu es en mode OK. Oui, c'est ça. Okay. Bah, moi par exemple, bah, je me suis bosser sur euh... c'est les meilleurs projets en fait, c'est bah, meilleurs... ce que tu veux. C'est ça, c'est ça mais en fait, tout dépend le client en face aussi mais euh, certains ouais. Ils... Ouais, ils te donnent une liberté mais tu le fais, il fait "Ah bah non, euh, j'imaginais pas ça." Bah ouais, mais dis-moi des guidelines, tu vois, par exemple, là, je vois sur un projet un peu euh, secret, donc je peux pas trop dire, mais euh, ils sont venus, euh, t'as des deadline ultra serré, tu me fais un truc euh, en, par rapport à une chorégraphie de danse, euh, on n'a pas encore la chorégraphie, mais tu dois faire un truc dessus, je suis en mode quoi, mais il faut la Corée, donc j'ai dû avancer le projet alors que j'avais même pas la Corée. Enfin, il y a des projets comme ça, tu fais où ça sent mauvais hein, un peu, mais euh, bon. Ouais, je... moi je pense qu'il faut, faut poser beaucoup de questions. Il faut être très curieux et en fait, c'est comme oui. ça que tu vas le cadrer. Et il y, y avait une vidéo de Chris Do là, sur The Future qui disait euh, c'est pas à vous de parler, en fait, c'est de poser le plus de questions pour aller cadrer ton projet. Mm -hmm. Et du coup, bah, tu te demandes c'est quoi euh, la durée de la vidéo C'est quoi le support C'est quoi le budget C'est quoi le truc enfin, Est-ce que c'est de la 3D Est-ce que c'est du filmé Et déjà, là, tu vas avoir des réponses en fait. Donc, c'est mm -hmm. vraiment à vous d'être hyper précis et de ne ouais. pas hésiter à assommer les, les clients de questions et si vous dites oh tu me saoules avec toutes tes questions bah, es là, bah en fait on ne peux pas travailler <laughs> si tu <m> ne <laughs> pas les réponses et puis voilà ça me semble être pas mal ouais, allez franchement... et bah ça y est on mmh. y est, on est sur la fin on vous ouais, envoie allez, plein nickel. de bisous, passez une bonne fin de semaine et puis euh, à la prochaine fois merci à toi, merci allez, Eric salut. <laughs> salut. salut Pauline, à tout le monde